Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du groupe IPF Life. Alors, je vois qu'on est pas mal de spectateurs maintenant. On va attendre que tout le monde se connecte. En attendant, je vais présenter les participants. Donc, je suis Sophie Orthès, responsable du suivi des patients dans le groupe IPF Life. On va parler aujourd'hui du thème de la nutrition et en quoi elle peut nous aider dans notre fertilité et dans les traitements en PMA. C'est un sujet qui nous touche à cœur parce qu'on a beaucoup, beaucoup de questions de nos patientes sur cela. Donc, pour en parler, on accueille des expertes aujourd'hui, Adva Grundmann et Virginie Terrier, qui sont les fondatrices de Fertiline. Donc, merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation. Je vous laisse la parole et à la fin de ce webinaire, on aura une question. Donc, vous pouvez indiquer toutes vos questions sur l'onglet questions-réponses et on y répondra à la fin de la présentation. Alors, Adva, je vous laisse la parole. Virginie, je te laisse partager. Bien sûr. Alors, bonjour à tous. J'attends, voilà. Donc, je m'appelle Adva Grundmann. Je suis la fondatrice de Art Fertilité by Mafive. Donc, je fais du consulting PMA et fertilité depuis 5 ans. J'accompagne des couples, que ce soit pour une PMA en Suisse où je suis ou à l'étranger. Et je les accompagne donc, dans leur traitement. Je leur explique un petit peu les choses, le choix de la clinique. J'ai commencé aussi une collaboration avec IVF Life. Et puis, donc, j'ai travaillé 10 ans dans l'horlogerie. J'ai un master en HEC. J'ai eu un premier enfant naturellement et le deuxième, j'ai dû recourir à une PMA, ce qui a fait que, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à la question et à aider les autres. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, pourquoi j'ai commencé à m'intéresser surtout à la nutrition et autres choses, les autres choses, on va vous en parler aussi à la fin, c'est qu'en fait, malgré des traitements dans des très très bonnes cliniques, comme lesquelles avec je travaille, eh bien, il y avait encore des échecs et j'ai essayé de comprendre un petit peu d'où venaient ces échecs, qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait pour améliorer sa fertilité et pouvoir en fait travailler sur ces traitements et aussi pouvoir être actif dans ces traitements. Puisque beaucoup de couples revenaient vers moi en me disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On a l'impression de subir. » Et c'est vraiment le but d'être actif dans son traitement et de pouvoir l'améliorer. Donc, je vous présente aussi Virginie qui est à côté de moi. Virginie, je veux bien que tu te passes à l'autre page parce que je ne connais pas ton curriculum vitae par cœur. Bien que je le connais bien, donc Virginie est nutritionniste et micronutritionniste, c'est un peu différent. Elle dirige un centre qui s'appelle Efficium qui est à Genève en Suisse. Dans son quotidien, elle prend en charge des patients, que ce soit en nutrition, en micronutrition, avec la phytothérapie également. Et puis, elle intervient également dans des entreprises. Elle a beaucoup de projets de développement. Ça fait donc maintenant 14 ans qu'elle travaille dans son secteur, donc elle connaît très très bien la nutrition. Et puis, elle travaille aussi depuis très longtemps avec des couples en fertilité, ce qui fait que quand on s'est rencontrés, ça a été, voilà, tout de suite, on a voulu faire quelque chose ensemble et créer un super partenariat. Et puis, elle a deux magnifiques enfants avec des approches périconceptionnelles, puisque Virginie ne peut rien faire sans se préparer, en fait, avec une approche micronutrition et nutrition. Donc, Virginie, je te laisse la parole. C'est ça. Alors, bonjour à tous. Déjà, on est très contents de vous accueillir sur cette petite conférence web. On a vu que la conférence a eu beaucoup de succès. J'espère vraiment que je vais pouvoir répondre un petit peu à toutes les questions. Et avant que vous puissiez poser vos questions, je voulais déjà vous présenter pas mal de choses et déjà vous poser, en fait, moi, une première question. Tout simplement pour poser le sujet et surtout poser l'intérêt du sujet. C'est vrai que moi, je travaille depuis, comme le disait Adva, depuis 14 années en consultation. J'adore ça, c'est une vraie passion et j'aime impliquer mes patients dans leur traitement. Et je crois que pour impliquer une personne, ce qu'on peut faire de mieux, c'est vraiment amener un raisonnement et pouvoir essayer de faire comprendre à quel point les choses sont importantes. Alors, je vous pose cette première question. Vous n'allez pas pouvoir me répondre en live, en fait, mais réfléchissez à ça dans votre tête. Essayez d'y répondre aussi de votre côté. Et cette première question, c'est celle-là. En fait, rien à voir avec la fertilité, mais c'est juste une question de contexte. Finalement, si vous construisez une maison, exactement la même maison que votre voisin, le même promoteur, le même constructeur, que vous construisez cette maison sur deux terrains différents et que la vôtre fissure,
qui allez-vous incriminer? Qui est responsable finalement de cette fissure? Alors, quand on réfléchit un petit peu à tout ça, on se dit, ben, tiens, quelle est la différence, la seule différence entre les deux? Eh bien, c'est le terrain. Et en fertilité, je voulais vous exporter ça un petit peu sur le domaine de la fertilité en vous disant, mais finalement, si vous réalisez le même protocole de PMA qu'une autre personne, si vous mettez les mêmes choses en place, la même structure en place pour essayer d'avoir un enfant naturellement, que ça fonctionne chez l'autre personne et que ça ne fonctionne pas chez vous, alors qui est-ce qu'on peut incriminer finalement? Et là, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voulait vous parler du terrain. Parce que finalement, le terrain, c'est toujours une variable. Ce qu'on appelle le terrain, c'est vraiment votre constitution de fond. Et la nutrition est une approche de terrain. L'environnement est une approche de terrain. Le comportement est une approche de terrain. Donc, toutes ces approches de terrain sont des choses qui vont finalement consolider votre constitution et votre aptitude à avoir de meilleurs résultats. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, on va parler du terrain, on va en parler sous différentes formes, mais aussi on va parler du terrain parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Adva, on a créé Fertiline et on l'a créé avec un énorme questionnement de base. Et ce questionnement, c'est le titre un petit peu de la conférence. C'était finalement, quelle est la différence de terrain entre un couple qui réussit qui est fertile et qui réussit à avoir des enfants sans problème et un couple qui finalement traverse un parcours d'infertilité très compliqué, ben, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Et le projet Fertiline est parti de ça. Moi, dans mon entourage, je me suis retrouvée avec des couples d'amis qui étaient dans une situation d'infertilité. Je me suis retrouvée dans les consultations avec des patients qui étaient dans des situations d'infertilité et j'avais besoin de comprendre un peu plus profondément les choses. Ce qui fait que finalement, la base de Fertiline, ça a été de produire des questionnaires au tout début et avec ces questionnaires qui portaient sur l'alimentation, qui portaient sur le comportement, qui portaient sur l'environnement. Ben, moi déjà, j'ai commencé à tester des couples, à tester des personnes qui étaient fertiles, qui avaient eu des enfants sans aucun problème et puis de l'autre côté, des personnes qui étaient en situation d'infertilité. Et puis en fait, à petite échelle, on voyait déjà qu'il y avait des différences et on s'est dit, ben, tiens, allons plus loin. C'est là que j'ai rencontré Adva, qu'on a construit un plus gros projet, des questionnaires qui étaient beaucoup plus cossus, qui nous permettaient justement d'avoir des statistiques. Et donc, on a refait ce même travail, mais avec plus de couples. On a refait ce travail justement de confronter le terrain de couples fertiles et le terrain de couples qui étaient en situation d'infertilité. Et très curieusement, alors c'est un peu tôt hein, pour dire tout ça parce qu'on aura beaucoup plus aussi de données quand on aura récolté encore plus de statistiques. Mais aujourd'hui, on voit clairement des différences entre les couples fertiles et les couples qui sont dans des parcours d'infertilité. Et ces différences, c'est pas que le couple est en surpoids ou pas en surpoids, c'est pas si simple que ça en fait. Hein. Souvent, dans la nutrition et la fertilité, on a juste l'impression d'entendre des discours très basiques. D'ailleurs, on en a souvent marre de les entendre. Hein. Je pense que voilà, si vous avez un parcours d'infertilité, vous voyez de quoi je parle. Quand vous arrivez en face d'un médecin, puis que le médecin vous dit oui, mais vous êtes en surpoids, il faut perdre du poids. Alors évidemment, c'est une réalité, mais peut-être qu'on n'y arrive pas pour telle ou telle raison. Et en fait, nous, ce qu'on voulait vraiment trouver, ce n'était pas juste des choses qui étaient déjà publiques, mais c'était vraiment trouver des fondements de terrain sur les différences entre couples fertiles et couples hypofertiles. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de trois pistes qu'on a justement clairement vues dans nos questionnaires. C'est des choses sur lesquelles on avait des différences de score quasiment de 50%. Entre les couples fertiles et les couples hypofertiles. On sait que ces choses-là sont importantes, on ne savait pas qu'elles l'étaient autant, et effectivement, il y a de plus en plus de publications aussi qui vont dans ce sens-là. Moi, j'ai cherché aujourd'hui à vous parler tout simplement de pistes qui sont valables pour tout le monde, parce que j'aurais bien aimé vous parler peut-être du syndrome des ovaires polykystiques, peut-être de l'endométriose, peut-être des insuffisances ovariennes et des différentes choses. Mais là, on cherchait vraiment à donner des informations qui sont valables pour tout le monde, qui sont utiles et qui sont applicables tout de suite. Donc, je vais vous parler dans un premier temps des acides gras, de l'importance de la constitution de votre assiette au niveau des acides gras, parce que ça, c'est une chose qui est négligée et qui est pourtant tellement importante pour la qualité de vos ovocytes, mais pas que ça en fait, hein, aussi vraiment pour la vascularisation et la qualité de votre endomètre. On va parler d'un minéral qui est un des plus publiés en fertilité et pourtant il est complètement oublié. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors peut-être que oui, mais souvent on en parle comme ça un petit peu à côté alors que c'est vraiment un fondement très très important pour la fertilité, c'est l'iode. Et
on va parler des glucides parce que, en fait, ce qu'on a aussi pu voir hein, chez les couples qui sont dans des situations d'infertilité, c'est qu'on a, on a deux penchants. Enfin, moi, j'ai remarqué en tout cas que souvent, il y a deux penchants qui sont très très nets. Soit on a une consommation de glucides qui est vraiment trop importante et du coup qui est plutôt délétère à la fertilité, soit au contraire, on a des personnes qui sont complètement en restriction glucidique pour augmenter leur fertilité. Et c'est pas mieux. On va en parler, en fait, c'est pas mieux. Il y a juste un bon équilibre à trouver. Donc, je vais essayer de vous donner des notions plutôt pratiques aujourd'hui, des notions sur ce que vous allez pouvoir, pouvoir faire finalement dans votre quotidien pour balayer un petit peu tous ces axes et améliorer tout ça. Alors, pourquoi j'ai choisi ces trois pistes ? Déjà, j'ai beaucoup réfléchi sur ben, qu'est-ce qu'on met dans cette conférence ? Comment, en 30-40 minutes, on peut passer un message qui sert à quelque chose en fertilité et puis qui va vous être utile ? J'ai choisi ces trois pistes tout simplement déjà parce qu'elles sont très fréquentes. Hein, je vous l'ai dit, dans les questionnaires, on a vraiment des différences de ratio de 50%. Vraiment, toutes les problématiques d'indication de carence en oméga-3, on trouve ça, on trouve des scores très, très élevés chez quasiment toutes les personnes qui sont dans des situations d'infertilité. Donc, c'est très fréquent. C'est valable pour l'homme et pour la femme. Quand on parle des oméga-3, des glucides, de l'iode, et ben c'est valable pour les deux. D'ailleurs, la plupart des choses en fertilité sont valables pour les deux. On met souvent l'homme de côté. Et il a pourtant une contribution qui est quand même très, très importante sur le plan nutritionnel et sur le plan du terrain aussi. J'ai choisi aussi ces trois pistes parce qu'elles sont faciles à moduler. Il y a des choses qu'on peut travailler, qu'on peut moduler avec la nutrition, mais qui sont difficiles à faire. Pour les oméga-3, pour l'iode, c'est vraiment très, très simple. Et surtout parce que ce sont des choses qu'on a pu observer sur le terrain, qu'on observe, que j'observe déjà en consultation depuis très longtemps, et surtout avec ces questionnaires qui maintenant nous permettent d'avoir beaucoup d'informations et de pouvoir recouper des informations, et ben on observe de plus en plus qu'effectivement il y a ces carences en iode, il y a ces carences en oméga-3, et il y a vraiment des problématiques au niveau des glucides. Alors allons-y, rentrons dans le vif du sujet. La première thématique, c'était les oméga-3. Les oméga-3, vous en avez déjà entendu parler hein, probablement en infertilité. D'ailleurs, maintenant, on a presque tendance, et on devrait le faire de façon automatique, à complémenter justement toutes les femmes qui sont en désir de conception. Entre guillemets, il ne faudrait pas complémenter que les femmes, il faudrait aussi complémenter les hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les oméga-3, quand même, leur principale propriété, c'est que ce sont des constituants des membranes cellulaires. Donc, plus la cellule est grosse et plus on a besoin d'oméga-3 dans cette cellule pour qu'elle fonctionne. Et les ovocytes sont les plus grosses cellules en fait, du corps humain. Donc, un ovocyte a un besoin en oméga-3 qui est vraiment très, très important. Et toutes nos cellules ont des besoins en oméga-3 qui sont vraiment importants. Alors, finalement, de quoi on parle quand on parle des oméga-3 ? J'aime d'ailleurs pas trop utiliser juste le côté oméga-3 parce que je trouve qu'il est faux dans le sens où on ne parle pas juste d'une chose, on ne parle pas juste de se complémenter en oméga-3. Tout ça, c'est une histoire d'équilibre. On parle vraiment d'un équilibre entre deux types de graisses. Un type de graisse qui s'appelle les oméga-6, qui sont aussi des acides gras polyinsaturés, et les autres qui sont les oméga-3. Donc en fait, ce qui est important, c'est l'équilibre entre les deux. Donc l'équilibre entre les oméga-6 et les oméga-3, pour des personnes qui ne sont pas forcément dans un désir de conception, on parle plutôt de 3 sur 1, 3 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Dans un désir de conception, on aimerait amener cet équilibre à 2 sur 1 à peu près, donc 2 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et actuellement, si on regarde à peu près les statistiques dans la population générale, on a à peu près 6 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, jusqu'à 30 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc en fait, le problème, ce n'est pas forcément que les oméga 3, ce n'est pas forcément qu'on manque seulement d'oméga 3, c'est qu'aussi on a trop d'oméga 6. Et ça, c'est un problème qui date d'une cinquantaine, voire une centaine d'années quand on a commencé à changer les modes d'élevage des animaux. Un animal qui est élevé dehors, finalement, il va manger de l'herbe. Et cette herbe est riche en oméga-3. Et du coup, vous mangez une viande qui est riche en oméga-3. Aujourd'hui, ben, ces modes d'élevage ont changé. Quand vous mangez du poulet, le poulet que vous mangez aura lui-même mangé du maïs, du soja qui sont riches en oméga-6. Quand vous allez manger du bœuf, ben, pareil, ce bœuf va avoir mangé probablement du maïs qui est très riche en oméga-6. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des aliments qu'on ingère ont une quantité d'oméga-6 qui est importante et les oméga-3, on a vraiment du mal à les trouver. Donc, on a ce ratio qui se déséquilibre en fait en permanence. Et je voulais vraiment vous parler de cette notion de ratio parce que vous allez voir où je vais en venir à la fin. Mais cet équilibre, il influence beaucoup de choses et notamment, il influence l'équilibre entre les œstrogènes et la progestérone.
si vous voulez, les oméga-3 et les oméga-6 et les graisses en général dans le corps ne servent pas à rien et elles ne servent pas juste à être stockées. Elles ont un rôle, en fait. Elles ont un rôle dans la production de molécules qui s'appellent les prostaglandines. Et ces prostaglandines vont avoir un rôle dans la production des hormones. Donc, à chaque fois que vous mettez des graisses dans votre assiette, vous êtes en train de conditionner un petit peu votre production hormonale. Donc, quand on sait ça, on se dit qu'on a quand même plutôt intérêt à mettre les bonnes graisses. Et donc, ce qu'on sait, c'est que cet équilibre oméga-6, oméga-3 joue sur l'équilibre œstrogène-progestérone. Alors, vous qui connaissez un petit peu hein, maintenant la fertilité et puis la médecine de la reproduction, vous savez à quel point on doit prendre soin de ses œstrogènes et de sa progestérone quand on est dans un désir de fertilité. Et surtout, à quel point l'équilibre entre les deux est essentiel. Parce que cet équilibre, il agit sur l'efficacité du cycle, c'est-à-dire ben, est-ce que le cycle est ovulatoire, est tout à fait bon, ou est-ce que le cycle est finalement anovulatoire ou peu efficace. Il agit sur la maturation des ovocytes, mais il agit aussi sur la vascularisation des tissus. Alors, je vous ai mis, hein, si jamais vous voyez en bas, à chaque fois, il y a des petites références de publications, si jamais vous voulez aller plus loin, voir exactement quels sont les processus. Je m'étais dit que c'était intéressant de documenter aussi tout ça. Alors, en fait, comment ça agit ? Ben, tout simplement, les oméga-6 vont plutôt aller produire des prostaglandines qui sont pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter un petit peu le niveau d'inflammation du corps et qui vont augmenter aussi indirectement la production d'œstrogènes. Donc, si vous avez une alimentation qui est vraiment trop riche en oméga-6 et qui est trop insuffisante en oméga-3, vous allez produire beaucoup trop d'œstrogènes, ce qui veut dire que probablement vos ovocytes vont maturer, mais ça va être plutôt délétère à l'implantation derrière. Et les oméga-3, eux, vont aussi produire des prostaglandines, mais ces prostaglandines, elles ont plutôt un rôle anti-inflammatoire et elles vont plutôt augmenter la production de progestérone. Alors, ça, la progestérone, vous connaissez hein, parce que vous avez bien vu qu'à chaque fois que vous avez un transfert, ben, probablement derrière, vous avez un traitement à base de progestérone, soit au niveau local, soit au niveau sang, soit en injection ou soit par voie orale. Et en fait, cette progestérone, elle est essentielle à l'implantation. Elle est vraiment essentielle. Hein. C'est en général c'est le follicule de l'ovocyte qui va produire la progestérone. Et si vous manquez d'oméga-3, votre production de progestérone va être diminuée. Et du coup, votre potentiel d'implantation aussi va être diminué. Donc, ces oméga-3 sont très importants, mais encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. C'est vraiment une histoire d'équilibre. Alors, la question à laquelle je voulais répondre, et je pense qu'il y a une question essentielle aujourd'hui, c'est vraiment le message que je voudrais aussi faire passer par rapport aux oméga-3, c'est est-ce que juste se complémenter avec des oméga-3, c'est suffisant ? Eh bien non, en fait, ce n'est pas suffisant. Prendre une gélule d'oméga-3, ça ne suffit pas pour vraiment changer et modifier le terrain au niveau de la fertilité. Parce que finalement, si vous avez un ratio oméga-6, oméga-3 qui est de 30 sur 1, c'est-à-dire 30 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3, et que vous prenez une gélule d'oméga-3, vous allez un petit peu améliorer votre ratio, mais vous ne serez jamais à ce ratio de 2 sur 1. Il va falloir faire d'autres changements. Il va falloir justement abaisser en fait vos oméga-6 et trouver un meilleur équilibre dans ce que vous mangez. Donc, la complémentation ne sert pas à rien. Elle est très utile parce que ça vous permet d'amener directement les oméga-3 et les molécules efficaces et actives. Mais cette complémentation, elle ne doit pas être prise seule. Il faut vraiment aussi une attitude alimentaire qui soit adaptée. Et du coup, si vous prenez simplement une complémentation, est-ce que ce sera suffisant pour améliorer l'équilibre hormonal et puis agir sur les facteurs liés à l'implantation ? Non, probablement pas. Si votre alimentation n'est pas suffisante en oméga-3 et qu'elle est trop riche en oméga-6, ce ne sera pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est ça, en fait, qui est important. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour changer cette attitude ? Tout simplement de travailler sur le ratio oméga-6 et oméga-3. Mais ça se fait tous les jours, ça se fait chaque jour, ça se fait dans votre assiette. Et la complémentation, évidemment, il faut le faire. C'est une aide. En complémentation, en grossesse, il faut amener un type d'oméga-3 spécifique qui s'appelle le DHA. Donc, DHA. C'est vraiment l'oméga-3 qui est le plus important pour le développement du bébé et puis pour améliorer aussi la fertilité. Mais dans votre assiette, tous les jours, vous devez avoir des oméga-3, ben, parfois d'origine végétale, tous les jours en tout cas d'origine végétale et de temps en temps d'origine animale. Et vous devez limiter, enfin en tout cas ne pas forcer sur les oméga-6. Alors les oméga-3, donc, ce qu'il faut augmenter, c'est quoi ? C'est finalement l'huile de colza, l'huile de noix, les noix aussi hein, à manger, comme ça, les cernes de noix, hein, les fameuses noix de Grenoble.
Également les graines de lin, les graines de chia, mais aussi les tout petits poissons gras. Alors surtout, ne faites pas l'erreur d'aller sur du saumon. Le saumon, ce n'est pas un poisson idéal déjà sur la composante oméga-3, parce que maintenant le saumon est beaucoup issu d'élevage et donc ne mange pas d'algues, donc il ne contient pas, quasiment pas d'oméga-3. Et en plus de ça, c'est un des poissons les plus toxiques. Donc, on conseille plutôt au moment où on veut faire un enfant de diminuer la charge toxique. Donc, quand on parle de poissons riches en oméga-3, n'allez pas vers le saumon, allez vers des petits poissons, des sardines, du maquereau, des harengs, des anchois, par exemple. Il y a aussi des produits que vous trouvez qui sont labellisés comme contenant plus d'oméga-3. Il y a une marque notamment qu'on trouve en France. Nous, on n'a pas la chance de la trouver en Suisse, mais en France, on la trouve. Cette marque, c'est Bleu Blanc Cœur. Et là, vous trouvez par exemple du jambon qui est Bleu Blanc Cœur, du poulet qui est Bleu Blanc Cœur, des œufs, des produits laitiers qui sont étiquetés comme ça. Ce label veut dire que, en fait, l'animal a mangé des graines de lin et que du coup, les produits qui sont issus de cet animal, donc que ce soit son lait, son beurre, son fromage ou les œufs, la viande, contiennent beaucoup plus d'oméga-3 et beaucoup moins d'oméga-6. Donc sachez-le, cette marque, ce label, il est assez intéressant quand même. Après, si vous avez vous-même, par exemple, des poules, je vous encourage à leur donner à manger des graines de lin ou du tourteau de lin, et ça vous fera des œufs riches en oméga-3, et ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est le bloc de finalement ce qu'on doit augmenter en termes de quantité, juste pour que vous ayez une idée, pour avoir suffisamment d'oméga 3, même pas pour augmenter votre niveau, juste pour le maintenir, vous devriez consommer tous les jours 2 cuillères à soupe d'huile de colza ou de noix, et l'équivalent à peu près de entre 400 et 600 grammes de petits poissons par semaine. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, la quantité qu'il faut amener d'oméga 3. C'est pour ça que vous n'avez pas d'autre choix que d'en amener vraiment tous les jours. Et les aliments, notamment végétaux, qui contiennent des oméga-3, les huiles, ne se cuisent pas. Donc, il faut plutôt les amener dans des salades, en fait, en assaisonnement. Alors, le côté oméga-6, c'est-à-dire que faut-il diminuer? Parce que les oméga-6, c'est vraiment la partie qu'il faut diminuer au profit des oméga-3. Donc, ce qu'il faudrait diminuer, c'est plutôt notamment les graines de tournesol, l'huile de tournesol. Et aujourd'hui, c'est assez tendance de mettre des graines un petit peu partout dans ces salades. Alors, des graines, oui, mais pas forcément des graines de tournesol à tout va, parce que ces graines, elles sont plutôt riches en oméga-6. La graine de sésame aussi, elle est très riche en oméga-6, de même que l'huile de sésame, donc il faut faire attention à ça. L'aliment qui contient le plus d'oméga-6 et qui contient les oméga-6 les plus pro-inflammatoires, c'est la cacahuète. Donc l'huile d'arachide et les cacahuètes à consommer, ça, c'est pas non plus vraiment, vraiment conseillé. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment plutôt de diminuer les oméga-6 et d'aller augmenter les oméga-3. Alors, il y a un autre facteur aussi dans tout ça, c'est ce qu'on appelle les graisses saturées. Alors, les graisses saturées, ça, c'est pas nouveau, ça fait des années qu'on en parle, qu'on sait que le saucisson, c'est pas génial, les produits transformés, c'est pas génial, les chips non plus, les biscuits non plus, voilà, tous ces produits transformés et ultra transformés, ils vous apportent des graisses qui sont de très mauvaise qualité. Et en fait, je voulais simplement vous expliquer pourquoi elles sont très nuisibles à la fertilité. Elles sont très nuisibles tout simplement parce que je vous ai mis là la photo l'image d'une membrane cellulaire. Donc ça, c'est la membrane qui constitue le tour de chacune de nos cellules. Cette membrane, elle est constituée de phospholipides. Et donc un phospholipide, vous voyez, il y a cette tête et puis il y a les deux jambes du phospholipide. Et en fait, les jambes du phospholipide sont des acides gras. Et ce sont les acides gras que vous mangez. La particularité des graisses saturées, c'est que ce sont des graisses qui sont vraiment tout droites, quoi. C'est vraiment des bâtons, c'est tout droit. Alors qu'une graisse polyinsaturée, les oméga-3 notamment, vont être des graisses un peu cassées au niveau de la forme. Donc un oméga-3 va amener de l'espace dans une membrane cellulaire, il va la rendre beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, alors qu'une graisse saturée va complètement rigidifier la membrane cellulaire et la bloquer aussi dans son fonctionnement. Et ça, c'est important à comprendre parce que autour de votre ovocyte, au moment où il va être fécondé, vous avez cette fameuse membrane cellulaire et vous avez plutôt intérêt à ce que cette membrane soit fluide. Même chose pour le spermatozoïde, il est entouré d'une membrane cellulaire, il faut que cette membrane soit fluide. Alors, il y a passablement d'études sur les oméga-3 et la fertilité, et il n'y en a pas que chez la femme, parce qu'on en entend toujours parler chez la femme, mais on n'en entend pas parler chez l'homme. Et pourtant, il y a des études qui sont assez cossues et puis qui parlent justement de l'homme.
et notamment du fait qu'un homme qui aurait une alimentation très riche en graisses saturées diminue vraiment sa qualité, la quantité en fait de spermatozoïdes aussi et la mobilité des spermatozoïdes. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ça, c'est réversible. C'est-à-dire que si demain, votre homme, ben, vous commencez à lui dire ben, « Maintenant, on va introduire des oméga-3 dans l'alimentation et puis tu vas arrêter d'aller manger au fast-food et puis tu vas calmer un petit peu le saucisson et puis les chips et puis les biscuits et on va plutôt faire des choses maison et puis on va intégrer des oméga-3 dedans. Ben, » si vous faites ça, vous allez changer la qualité du sperme, clairement. Alors, ça va, c'est pas immédiat. On sait que pour changer la qualité d'un sperme, il faut entre 2 et 4 mois. Mais en tout cas, intéressant de faire ce changement parce que là, c'est très publié. Et on sait qu'une mauvaise qualité de graisse dans l'alimentation va vraiment impacter la qualité du sperme. Alors, donc, ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Donc là, vous avez les publications, si jamais, notamment chez les hommes. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, on a des problématiques de mobilité, mais aussi de qualité du sperme qui pourrait être en lien avec justement des carences en oméga-3 et que tout ça est réversible. Et je trouve que le côté intéressant, il est là, c'est vraiment que finalement les oméga-3 c'est une chose de, c'est un élément de terrain qui est complètement réversible. Vous en manquez, c'est délétère, vous en rajoutez, vous allez gagner en qualité, vous allez gagner en qualité d'implantation, vous allez gagner en qualité hormonale et vous allez gagner en qualité de sperme. Alors du coup les recommandations c'est quoi? Ben, finalement huile de noix, colza à peu près 2 cuillères à soupe par jour en assaisonnement, ça ne se cuit pas. Ou si vous voulez les cuire, alors l'huile de noix, je ne vous recommande pas de la cuire du tout. L'huile de colza, éventuellement, vous pouvez l'intégrer à quelques préparations, mais il ne faut pas dépasser 150 degrés au niveau de la cuisson. C'est vraiment la zone maximale. Au niveau des noix, donc, l'équivalent de 5 cerneaux de noix par jour que vous pouvez ben, grignoter, comme ça, c'est facile hein, au final de manger des noix. Pour les graines, l'équivalent d'une cuillère à soupe de graines de lin ou d'une cuillère à café de graines de chia, ben, tous les jours, ça, ce serait l'idéal. Et si on peut, ben, de les faire tremper en fait, au préalable. D'avoir plutôt des produits d'animaux qui soient élevés en plein air et nourris à l'herbe. Donc, c'est vrai que d'acheter des viandes bio, ça coûte plus cher. D'acheter des animaux, d'acheter des viandes d'animaux ou des produits d'animaux bien élevés, ça coûte plus cher. Moi, je pense qu'il vaut mieux en manger moins, effectivement, et avoir vraiment des produits de qualité. Vous voyez, de réduire, de diminuer par exemple par 2 la consommation des produits animaux, mais par contre, de mettre vraiment, vraiment de la qualité dans ces produits animaux. Comme ça, ben, au moins, vous amenez vraiment des bonnes choses. Des labels type Bleu Blanc-Cœur, Tradilin. Aujourd'hui, la marque Bleu Blanc-Cœur, c'est pas une marque... Enfin, le label Bleu Blanc-Cœur, ce sont pas des produits qui sont très chers, en fait. Hein. Ils sont juste élevés différemment, mais ils sont pas forcément beaucoup plus chers que les autres. Donc là, ça vaut le coup aussi de vous orienter vers ces produits-là. Et surtout, là où vous allez avoir énormément de graisse saturée et où, du coup, vous allez vraiment diminuer la qualité potentiellement des ovocytes et peut-être des spermatozoïdes aussi, c'est dans les produits de snacking industriels. Donc, pour tout ce qui est produit de snacking, je crois que le meilleur conseil que je puisse donner, on ne peut pas toujours le faire, mais quand on peut le faire, c'est plutôt de faire des choses maison, de faire des cookies maison, de faire des boules d'énergie maison. Puis quand vous faites ça, ben, vous pouvez intégrer des noix dedans, vous pouvez intégrer des amandes, vous pouvez intégrer ben, vos graines de lin, vos graines de chia, du chocolat noir, très noir, pour avoir une bonne dose d'antioxydants, des fruits rouges séchés. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire des choses pour se faire plaisir. Et qu'on peut intégrer au quotidien et qui font du bien aussi ben, à votre santé et puis à votre fertilité. Alors, j'en ai fini avec les oméga-3. Ça, c'est vraiment un combat très, très important. Je crois qu'il faut vraiment comprendre que ces oméga-3, ils sont essentiels dans la fertilité. On ne peut pas passer à côté. Vraiment pas. Maintenant, ce dont j'aimerais vous parler, c'est un autre minéral qui est l'iode. Alors, comme je disais, l'iode, ben, parfois on complémente les femmes enceintes, parfois on ne les complémente pas. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de compléments alimentaires qui sont conseillés, qui sont même formulés pour les femmes enceintes, pour les femmes en périconception, et qui ne contiennent pas d'iode. Et ça, chez moi, en tout cas, ça génère un petit peu d'incompréhension, et c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que finalement, c'est un des minéraux qui est tellement, tellement important. Alors, à quoi ça sert, l'iode, en fait? Ça sert à augmenter la fertilité, c'est un minéral qui est très important pour la thyroïde, déjà. Et surtout, il y a une publication qui est assez intéressante sur l'iode. Ils ont suivi des couples, finalement, qui avaient un désir de grossesse. Et en suivant ces couples, dans cette publication, ils ont dosé en fait, leur iode au niveau urinaire. Donc, ils ont dosé leur statut en iode. Et ils se sont aperçus que chez les couples qui manquaient d'iode,
donc qui était vraiment en carence hein, quand même, il y avait 46% de fécondité en moins. Donc, ils avaient des délais de retard hein, pour tomber enceinte. Et souvent, chez ces couples-là, ben, il y a beaucoup plus d'infertilité. Alors, après, moi, sur le terrain, ça fait effectivement ben, maintenant très longtemps que je fais de la consultation, très longtemps aussi que j'accompagne des couples qui sont en infertilité et que je suis amenée à faire parfois des dosages urinaires au niveau de l'iode. D'ailleurs, je vous conseille de le faire hein, si vous le pouvez. C'est assez rare de voir des résultats qui sont dans la norme. Chez les couples infertiles, vraiment, c'est très, très rare. Donc, après, est-ce que c'est une coïncidence ? Moi, personnellement, sur ma consultation, je fais pas d'études, je fais pas de publication, donc je tiens pas de rapport de tel couple manqué d'iode ou pas. Mais voilà, comme ça, sur l'expérience de terrain, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'on dose l'iode, vraiment dans les urines, chez une femme qui a des difficultés de conception, on est dedans, hein, y a un manque d'iode et on doit complémenter souvent à haute dose. On ne peut pas complémenter l'iode à haute dose sans avoir de biologie, sans avoir de mesures urinaires. Ça, c'est vraiment déconseillé, clairement. Donc, on sait que chez les femmes, ben, c'est important. Plus on a d'iode et plus notre propension à tomber enceinte est importante. Et puis, chez les hommes aussi, ben, étonnamment, ça augmente fortement la qualité du sperme. Donc, on a des choses qui sont assez intéressantes. Et au-delà de ça, c'est vrai que nous, chez Fertiline, on a un peu cette approche préconceptionnelle pour augmenter, améliorer la fertilité. Mais l'approche préconceptionnelle, ça ne sert pas que à ça. C'est vrai que Adva disait que je ne fais rien sans le préparer en termes de nutrition. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt fait mes enfants en me préparant en termes de nutrition. Parce qu'en réalité, quand vous faites un enfant, vous lui transmettez une santé. Et cette santé que vous allez lui transmettre, il va l'avoir à vie. Et notamment, l'iode a un effet très important sur le développement du cerveau de l'enfant et il y a même une publication, je vous ai mis le lien ici, hein, qui est assez étonnante, qui a pu démontrer que en fait, les enfants qui sont nés de mamans qui ont un statut en iode suffisant ont un quotient intellectuel supérieur aux autres enfants qui sont nés de mamans qui avaient un statut en iode insuffisant. Donc juste pour dire que souvent, quand on parle d'alimentation pour la fertilité, ben, effectivement, on se dit, oui, c'est important pour tomber enceinte, mais c'est vraiment capital pour la santé de votre enfant. C'est vraiment, vraiment tellement important pour lui parce que cette santé dont il va hériter, il va vraiment l'avoir à vie. Hein, ça module sa santé pour toujours. Donc, ça, c'est l'iode est vraiment capital. Et en plus de ça, dans la population féminine, il y a un statut de déficience qui est absolument énorme en iode. Il y a une petite étude qui a été menée en fait sur le bassin genevois au niveau de l'iode et ils ont statué qu'il y avait à peu près 90% de personnes carencées. Pour vous donner une idée de l'importance des carences, alors il y a différents niveaux de carences. Hein. En nutrition, on parle de subcarence, de carence. Donc en fait, 90% des personnes ont un apport en iode qui est suboptimal, qui est vraiment en dessous des besoins. Et l'état de carence est évidemment beaucoup moins que ça. Mais en tout cas, cet iode est très influent, donc il faut y penser. Et alors, du coup, ben, où trouve-t-on l'iode et pourquoi on manque tant d'iode que ça ? Quand on pense à iode, on pense tout de suite à poisson. Et finalement, alors c'est juste, mais ce n'est pas si juste parce que quand on regarde les poissons de mer, ben, finalement, leur concentration en iode, c'est de 73 microgrammes pour 100 grammes. Et il nous faut 150 microgrammes par jour d'iode. Donc, si vous pensez combler vos apports en iode uniquement en mangeant du poisson et du poisson de mer, eh ben, il faut en manger 200 grammes par jour, ce qui ne serait pas non plus très écologique et puis ce qui ne serait pas non plus très sain. Aujourd'hui, on sait que le poisson est quand même un animal assez pollué. Donc, le poisson, c'est une bonne source, mais on ne peut pas non plus compter que sur ce poisson. Alors, souvent, moi, quand je parle de l'iode en consultation, on me dit « oui, mais j'utilise du sel iodé ». Alors, le sel iodé, il contient à peu près 20 microgrammes d'iode par gramme de sel. Et les recommandations, si on prend les recommandations de l'OMS, c'est d'essayer de diminuer la quantité de sel, de ne pas dépasser en tout cas 5 grammes par jour. Donc, du coup, là, on n'est toujours pas non plus au 100% des apports. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'utilisent pas de sel iodé, qui utilisent juste un sel de mer. Et un sel marin, il ne contient pas tant d'iode que ça, en fait. Hein. Ou des personnes qui utilisent du sel rose, par exemple, de l'Himalaya. Alors, c'est super, mais il n'y a pas d'iode dedans. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, on est très carencé en iode parce que, logiquement, on devrait avoir de l'iode dans les fruits, dans les légumes, dans les viandes aussi, des animaux qui consomment des végétaux riches en iode.
mais les sols se sont terriblement appauvris en tous les minéraux, y compris l'iode. Et aujourd'hui, ben, on n'a plus cet iode si précieux dans notre alimentation. On en manque très sérieusement. Alors là, vous allez vous dire, mais c'est déprimant tout ça, quelle horreur. Non, il y a quand même des aliments qui contiennent de l'iode, on va en parler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des personnes ne couvrent absolument pas leur apport en iode, et ça sur de nombreuses années. Donc il y a vraiment une carence qui va se cumuler en fait, hein. D'année en année, on va être finalement de plus en plus carencé en iode. Et vous imaginez bien que maintenant, quand on arrive au moment où on veut avoir un enfant, on n'a plus 20 ans, on a peut-être 25, 30, 35 ans, voire des fois plus, et on a quand même cumulé ces carences en iode jusque-là. Et ce qui fait que la carence peut être vraiment très, très importante au moment où on est dans ce désir de conception. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour amener de l'iode ? Je vous l'ai déjà dit, les poissons, ben, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le sel, ben, c'est bien, mais en même temps, on ne va pas non plus se mettre à mettre du sel iodé partout parce que ce sera beaucoup moins efficace pour la vascularisation. Alors moi, ce que je vous propose en apport en iode, c'est vraiment un super aliment pour le coup, et c'est les algues. Tout bêtement, parce que les algues sont vraiment les aliments les plus concentrés en iode, et ce n'est pas très compliqué en consommant des algues d'avoir un apport en iode suffisant. Alors si on regarde notamment, je vous ai mis les valeurs, vous vous rappelez, on doit avoir 150 microgrammes d'iode par jour. Et si vous prenez une algue comme le kombu qu'on trouve sous forme séchée, par exemple en magasin bio, vous trouvez du kombu séché, vous trouvez du wakame séché, et bien 1 gramme, alors 1 gramme c'est rien, hein, c'est la moitié d'une cuillère à café d'algues séchées, hein, vraiment. 1 gramme de kombu, de kombu séché, vous amène 15 jours d'apport en iode. Vous imaginez, c'est quand même, c'est assez incroyable au niveau de l'apport en iode. Et en plus de ça, c'est complètement écologique. Vous abîmez pas trop la planète en mangeant des algues, même si vous en consommez un petit peu trop. Donc le kombu, c'est l'algue la plus riche. C'est pas forcément celle qu'on trouve le plus. Celle qu'on trouve le plus, c'est l'algue, la fameuse algue qui entoure les sushis, qui est l'algue nori, mais qui est déjà très concentrée parce que 1 gramme de nori séché amène 90 microgrammes d'iode. Donc du coup, même cette algue nori, elle est quand même assez intéressante. C'est pour ça que pour les apports en iode, moi je vous encourage vraiment à rajouter des algues dans votre alimentation. Alors, dans quoi on met les algues séchées ? Ben, tout bêtement, dans les salades, vous faites cuire du riz, vous mettez dans votre riz, vous faites une soupe, vous mettez dans votre soupe. Évidemment, ça a un petit goût d'algues et de mer, donc il faut aimer les produits de la mer. Et si vous n'aimez pas ça, complémentez-vous à dose physiologique. Donc je vous ai dit, les apports, c'est 150 microgrammes par jour. Complémentez-vous à 150 microgrammes par jour et pas plus. Ou 100 microgrammes par jour en partant du principe qu'il y en a un peu dans votre alimentation. Donc en pratique, comment avec votre alimentation, vous pouvez assurer vos apports en iode? Ben, tout simplement, poisson de mer 2 fois par semaine, en essayant d'aller plutôt sur des petits poissons de mer et plutôt gras, comme ça, vous avez aussi les oméga-3 avec, ça vous fait une espèce de pack. Et puis, des algues séchées, 1 à 5 grammes par semaine. Et après, réfléchissez à ça, dites-vous, mais finalement, depuis combien de temps je n'ai pas mes apports en iode? Peut-être depuis votre naissance, hein. Si aujourd'hui vous avez 30 ans et que ça fait 30 ans que vous ne mangez pas de poisson, ou que vous en mangez relativement peu et que vous n'avez jamais mangé aucune algue et que vous n'aimez pas les sushis, ça veut dire que vous avez 30 ans de carence. Donc dans ce cas-là, vous prenez la quantité d'algues dont je vous ai parlé là, puis vraiment vous la multipliez par 2. C'est parce qu'il ne suffit pas juste d'amener un apport, il va falloir remonter une carence. C'est un petit peu différent. Donc, moi, quand j'explique ça aux patients, en général, ils me disent « Ah, mais c'est super simple. » Puis quand ils reviennent, après, en ayant commencé à manger des algues, ils me disent « Ah, mais c'est facile. En plus, c'est facile à trouver aujourd'hui, les algues en magasin bio. » Donc oui, c'est très simple, mais il faut le savoir quand même. Donc du coup, maintenant, vous le savez, essayez vraiment de faire cet effort au niveau de l'iode. C'est un des facteurs de terrain qui est essentiel pour la fertilité. Et encore une fois, pas que pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Là, on ne peut pas délier les hommes de cette problématique d'iode. Donc, si vous avez aussi des conjoints, des maris qui ne mangent pas de poisson, moi, j'en vois beaucoup, hein, étonnamment, ou je sais pas si c'est étonnant, en fait, mais les hommes ne sont pas très, très consommateurs de poisson. Donc, si c'est le cas, dans ce cas-là, il faut aussi mettre des algues, ou alors il faut complémenter en iode. Donc, comme je vous disais, complémentation, vous ne dépassez pas les 150 microgrammes, sauf si vous avez une analyse urinaire qui vous montre vraiment que vous êtes carencé. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller à plus. Alors, j'en ai fini pour l'iode. Vous aurez compris que les algues, c'est hyper important.
Maintenant, je voulais vous parler des glucides parce qu'en fait, il y a plein de débats et ça, on le voit tout le temps en fertilité. Et moi, j'ai plein de patientes qui me posent la question. Souvent, j'ai des couples qui arrivent en consultation avec déjà des prérequis et des idées vraiment très, très claires sur le fait que si on veut devenir fertile, il faut quasiment plus avoir de glucides dans son alimentation pour faire baisser l'insuline et favoriser la fertilité. Alors, c'est un grand débat et c'est un débat auquel je voulais répondre un petit peu aujourd'hui. En fait, pour les glucides, c'est un peu la même chose que pour tout le reste, c'est-à-dire qu'il y a une histoire d'équilibre. Aujourd'hui, moi, quand j'entends parler de keto diet, c'est-à-dire vraiment de diète sans aucune source de glucides dans le cadre de la fertilité, c'est vrai que ça me fait un peu bondir, parce que j'ai rien contre les keto diets dans d'autres indications, mais par contre, dans la fertilité, c'est quand même ça pourrait être délétère, en tout cas sur ce sujet-là. Donc, finalement, si on mange trop de glucides dans son alimentation, donc les glucides, c'est vraiment finalement ben, tout ce qui est sucré et tout ce qui est farineux. Donc, c'est le pain, les pâtes, le riz, le maïs, la polenta. Ça va être aussi ben, tous les aliments qui sont sucrés, donc les fruits, mais ben, le chocolat, les aliments industriels, tout ça, ça fait partie des glucides. Si on a un excès de consommation de glucides dans son alimentation, on va finir par faire monter la production d'une hormone qui est l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui a tendance à être un petit peu pro-inflammatoire quand même et qui n'a pas forcément de très bons effets sur les hormones, donc sur les hormones de la reproduction, notamment les œstrogènes et la progestérone. Donc, si vous cumulez trop de production d'insuline, ben finalement, vous allez aussi produire beaucoup, beaucoup trop d'œstrogènes et faire baisser aussi votre niveau de progestérone. Donc, trop de glucides, on sait, ça ne va pas. Ce n'est pas la bonne règle à suivre. Par contre, pas assez de glucides, ça a un impact aussi qui est vraiment délétère sur la fertilité, parce que tout simplement, il y a une molécule que vous produisez seulement à partir des glucides dans le corps qui n'est quasiment pas amenée par l'alimentation, c'est le coenzyme Q10. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Alors, dans le cadre de la fertilité, on n'en entendait pas parler jusqu'en 2018-2019 à peu près, où là, on a commencé à avoir beaucoup, beaucoup de publications autour du coenzyme Q10, notamment dans le cadre de l'insuffisance ovarienne. Et en fait, ce coenzyme Q10, on sait qu'il est important notamment pour la qualité des ovocytes, qu'il est important pour le développement de l'embryon, parce que vous imaginez qu'un embryon qui doit se développer, c'est vraiment des phénomènes de division cellulaire qui sont très intenses, qui doivent être soutenus, qui nécessitent de l'énergie. Et le coenzyme Q10 fait tourner en fait les centrales énergétiques des cellules. D'ailleurs, l'ovocyte est la cellule du corps la plus riche en mitochondries, ces fameuses centrales énergétiques. Donc, c'est-à-dire que l'ovocyte est hyper consommateur de coenzyme Q10. Si vous manquez de coenzyme Q10, ça pose un problème. Et une alimentation qui serait vraiment trop insuffisante en glucides pourrait générer un déficit en coenzyme Q10 parce que vous pourriez ne plus en produire suffisamment. Et donc, ce coenzyme Q10, encore une fois, important pour la qualité des ovocytes, pour l'énergie des ovocytes, mais aussi pour le développement de l'endomètre, parce que tous les mois, vous avez ce fameux endomètre qui va s'épaissir. Et ça, c'est un phénomène de division cellulaire aussi. Ça demande une énergie considérable à votre corps. Et cette énergie, ben, c'est les mitochondries qui la produisent et qui la produisent à partir du coenzyme Q10. Donc, au niveau des glucides, du coup, il n'en faut pas trop, mais il en faut quand même. Donc, c'est vraiment ça le bon truc. On parle vraiment de ratio bénéfice-risque, souvent en nutrition. Vous voyez, par exemple, sur les poissons, on va se dire, ben, le saumon, c'est un poisson qui a un mauvais ratio bénéfice-risque parce que finalement, ben, il est trop toxique et il ne contient pas assez d'oméga-3. Et ce sera différent peut-être sur la sardine. Et ben, pour les glucides, on parle aussi de ratio bénéfice-risque, juste pour vous faire comprendre que parfois, vous allez adopter une attitude que vous pensez favorable pour votre fertilité et qu'en fait, elle va être favorable sur juste un point et vous vous êtes focalisé sur ce point-là et en fait, elle va être délétère sur tous les autres. Donc, effectivement, si vous avez par exemple un syndrome des ovaires polykystiques, clairement, vous allez lire des choses, vous allez être tenté de mettre en place peut-être une alimentation hyperprotéinée, absolument sans glucides. Et oui, ça améliore le contexte hormonal. Par contre, c'est délétère à l'implantation, c'est délétère à la division de vos ovocytes et c'est aussi délétère à la prolifération de votre endomètre. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Si vous voulez, les attitudes extrêmes en général ne payent pas forcément et il faut être très prudent avec ces attitudes extrêmes. Donc, il faut comprendre le contexte et c'est pour ça que ben, nous, dans le cadre de Fertiline, quand on a travaillé sur les questionnaires et sur les programmes, on a vraiment dû intégrer tout ça et créer une mécanique d'esprit et de réflexion très importante parce que effectivement, on peut avoir des personnes qui ont des facteurs de résistance à l'insuline et donc qui devraient baisser les glucides et en même temps
qui ont un déficit de coenzyme Q10 et chez qui on prend des risques si on baisse les glucides. Donc, vous voyez, on se retrouve avec ce genre d'incohérence. Et c'est pour ça que, à mon sens, une approche de terrain individualisée est vraiment essentielle. Et si on ne peut pas faire cette approche de terrain personnalisée et individualisée, alors pas d'extrême. Vraiment pas d'extrême. Ça, c'est très, très important. C'est un peu le message que je voulais faire passer avec ces glucides. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec les glucides ? Déjà, on évite les keto diets. Ça, c'est vraiment, donc, vraiment les diètes cétogéniques, c'est-à-dire les diètes qui sont 100% protéinées, qui ne contiennent aucun glucide. Ça, il ne faut pas faire en termes de fertilité. Vous pouvez le faire sur d'autres choses. Ce n'est pas inintéressant. Mais en termes de fertilité, vous prenez des risques par rapport à votre coenzyme Q10. Si vous avez une forte limitation des glucides, admettons que vous ayez un syndrome des ovaires polykystiques avec un surpoids, une résistance à l'insuline avérée et vous devez limiter vos glucides, alors faites-le, mais dans ce cas, il faut vous soit doser votre coenzyme Q10 et vous complémenter, ou vous complémenter, mais pareil à dose physiologique. Donc, moins de glucides, ça c'est quand même un petit peu la tendance en fertilité de ne pas avoir une alimentation bourrée de sucre et surtout moins de sucre rapide et de choisir plutôt quand même des glucides qui ont des index glycémiques bas parce que finalement votre coenzyme Q10, vous allez tout à fait bien le produire en mangeant des lentilles par exemple. L'essentiel c'est d'avoir des glucides, c'est pas forcément d'avoir du sucre. Donc si vous mangez des lentilles, vous allez bien produire votre Q10 quand même et puis vous n'allez pas non plus créer de résistance à l'insuline. Donc l'objectif, c'est d'avoir une alimentation qui contienne des glucides, mais plutôt des index ou des charges glycémiques relativement basses. Alors, j'ai fait un petit peu le tour sur les trois sujets que je voulais balayer en termes de nutrition. Pour résumer, globalement, ce qu'on veut en termes de fertilité, c'est plus de graisse. Étonnamment, ce n'est pas forcément moins de graisse, hein, c'est plus de graisse, mais par contre, plus de qualité dans les graisses. Ça, c'est très important. On veut plus de poissons, mais pareil, de la qualité dans les poissons. Donc, n'allez pas consommer du saumon ou du thon. Ces poissons-là ne sont pas indiqués pour la fertilité. Il faut plutôt des petits poissons. Vraiment, la taille du poisson est importante parce que plus vous consommez un poisson de grande taille, plus lui sera toxique parce qu'il aura consommé d'autres poissons. Et puis, il aura beaucoup, beaucoup de polluants, notamment de molécules de plastique. Et ça, ce sont des perturbateurs endocriniens aussi. Plus d'algues, on n'a pas l'habitude de consommer des algues, c'est pas culturel en fait hein, chez nous de consommer des algues, mais alors il faut s'y mettre, donc des algues séchées que vous pouvez intégrer dans des soupes, par exemple de prendre l'habitude peut-être de consommer des soupes miso, oui, ça c'est une chose qu'on adore tous quand on va manger dans des restaurants japonais, et puis finalement on ne le refait pas à la maison, mais alors peut-être qu'on pourrait faire ça, consommer des soupes miso, puis prendre l'habitude de mettre des algues séchées dedans. Et aussi, moins de produits d'animaux mal élevés. Alors, ce que j'entends par mal élevés, c'est des animaux qui sont élevés en batterie, qui sont nourris avec du maïs. Donc, quand vous consommez des produits animaux, essayez plutôt d'aller les chercher chez un petit producteur ou vraiment dans des filières plus saines comme le bio, comme la marque Bleu Blanc-Cœur, par exemple, enfin le label Bleu Blanc-Cœur. Donc, toutes ces filières qui vous garantissent que les animaux ont été bien élevés, ou simplement d'aller aussi peut-être chez votre boucher, chez votre fromager et de poser les questions. Tout bêtement de poser les questions. Il y a des choses toutes simples. Il y a par exemple des types de vaches qui sont toujours élevées en plein air. Si vous prenez de la vache charolaise, une vache charolaise c'est élevée en plein air. Même sur des étiquettes dans des supermarchés, vous arrivez à voir si un poulet est élevé en plein air ou s'il n'est pas élevé en plein air. Donc essayez vraiment d'aller vers des produits d'animaux qui ont été élevés en plein air et qui ont mangé de l'herbe. Ça, c'est vraiment très important. Pas de réduction drastique des glucides, mais des charges glycémiques basses. Et puis, il y a d'autres facteurs au niveau de la nutrition quand même qui sont intéressants. Il y a la vitamine D. Alors, on ne pouvait pas en parler là parce qu'on ne pouvait pas tout développer. Malheureusement, moi, je pourrais passer une journée entière à vous développer plein de choses sur la nutrition et la fertilité. Mais là, le temps est limité. Il fallait choisir des thématiques. La vitamine D est super importante. Le magnésium est absolument capital. Le magnésium, c'est ce qui fait, c'est ce qui gère un petit peu la contraction de votre utérus. Donc, vous imaginez à quel point c'est important sur l'implantation. Et les antioxydants. Alors, les antioxydants, c'est un sujet majeur. Ça, c'est vraiment très important chez la femme, très important chez l'homme. Il faut une quantité d'antioxydants dans l'alimentation qui est vraiment très, très élevée. Et aujourd'hui, ces antioxydants, on n'en a pas beaucoup, mais juste pour faire simple, les antioxydants dans l'alimentation, c'est les aliments qui sont naturellement colorés. Alors, je ne vous parle pas de bonbons colorés, de choses comme ça, hein, pas d'aliments industriels colorés, mais les fruits rouges et noirs, les légumes à feuilles vertes, les carottes, la courge, le melon, enfin tout ce qui est coloré, en fait,
contient des antioxydants. Donc, c'est important que vous ayez des assiettes colorées. Une assiette fertile, c'est une assiette colorée, en réalité. Alors, j'ai fait un petit peu le tour au niveau de la nutrition. Je voulais encore vous parler des pathologies particulières parce que je sais que vous vous posez cette question. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas aborder ces pathologies parce que je me suis dit que ça ne concernerait pas tout le monde et que bah, malgré tout, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui est là en face de moi. Donc sans savoir à qui je m'adresse, je ne pouvais pas être vraiment très spécifique dans les conseils. Mais cette question est importante parce que dans le cadre, par exemple, de l'endométriose, du syndrome des ovaires polykystiques ou de l'insuffisance ovarienne, est-ce qu'il y a des conseils nutritionnels spécifiques? Alors, oui, il y en a en fait, bien sûr qu'il y en a. Mais en réalité, il y a peu de généralités. Et il y a une chose que j'aimerais vraiment vous dire et que je dis souvent à mes patients, c'est que vous ayez un syndrome des ovaires polykystiques ou une endométriose ou une insuffisance ovarienne, vous n'êtes pas une maladie en fait. Parfois, on est un peu rassuré d'être rangé dans quelque chose parce qu'on sait à quel groupe on appartient, puis on a l'impression de pouvoir le faire évoluer. Mais la maladie, c'est une constituante de votre terrain, mais c'est pas, vous n'êtes pas vous entièrement une maladie. Donc, finalement, il faut bien retenir que ces problématiques de santé-là, que sont l'endométriose ou l'insuffisance ovarienne ou le SOPK, ce sont plutôt pour nous des indicateurs de dysfonctionnement, de déséquilibre du terrain. Ce sont des marqueurs d'un dérèglement. Et c'est probablement ce même dérèglement qui a un impact sur votre fertilité. Mais aujourd'hui, on les place très très souvent en cause, alors que ce sont des cofacteurs probablement du problème, mais aussi des conséquences de la cause. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais juste pour vous dire que il faut vraiment avoir une approche de terrain sur ces pathologies et que là j'éviterais vraiment d'avoir des discours généraux parce que on peut avoir des personnes qui ont des syndromes des ovaires polykystiques et qui sont hyper minces. On peut avoir des femmes qui ont des insuffisances ovariennes et puis voilà, qui ne rentrent pas dans les critères. Donc, en fait, si vous voulez, moi, j'aime pas trop cette histoire de critères. Je pense que la base, c'est le terrain et que la pathologie, elle est très importante à prendre en considération. Dans tous les programmes qu'on a développés pour Fertiline, on prend ces pathologies en considération parce que ce sont des indicateurs majeurs, mais ça ne crée pas votre terrain. C'est votre terrain qui a plutôt créé la pathologie que l'inverse, en fait. Hein. Voilà, donc là, la pathologie, c'est une prise en charge qui est médicale, mais par contre, pour nous, c'est un énorme indicateur de terrain. Et la nutrition, c'est l'accompagnement du terrain, du coup. Alors, j'en ai fini de vous saouler avec toutes ces indications nutritionnelles. Il y a quand même juste un point que je voulais aborder avec vous, c'est que la nutrition, c'est un élément majeur dans la fertilité, pour le terrain de la fertilité. Il y a d'autres éléments qui sont quand même très importants. C'est l'environnement, donc tout ce qui est effectivement perturbateur endocrinien, toxique dans l'environnement, et aussi le comportement. Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve. On parle un petit peu du stress dans la fertilité, mais j'entends par exemple assez peu souvent parler du sommeil et de l'importance du sommeil, de la qualité du sommeil, de la quantité de sommeil dans le cadre de la fertilité. Et pourtant, ben, c'est très important aussi. Donc, ne faites pas que la nutrition, il y a vraiment un contexte et un environnement qui est à prendre en compte. Et c'est vrai que voilà, nous, dans les programmes, on a pris tout ça en compte parce que je crois qu'on ne peut pas délier l'un de l'autre. Si vous voulez adopter une attitude fertilité, ce n'est pas juste une nutrition fertilité, c'est une attitude fertilité. C'est vraiment un système de vie qui va changer et qui va se réorienter dans son intégrité. Alors, combien de temps on doit travailler sa nutrition finalement avant un protocole de PMA ou avant même une conception naturelle, on estime qu'il faut à peu près 3 à 6 mois. 3 à 6 mois, c'est aussi le temps qui est nécessaire finalement pour conditionner une santé fabuleuse chez votre futur enfant. Donc, nous, dans ce qu'on développe au niveau de Fertiline, on a développé pour le moment des programmes de préconception. On a accompagné déjà pas mal de couples en préconception. Et en fait, l'approche de préconception, c'est vraiment la chose centrale. Dans très peu de temps, on va développer des programmes spécifiques à la PMA, vraiment spécifiques au protocole de FIV, d'insémination. Mais en fait, on ne peut pas délier ça de la préconception. La préconception, c'est la préparation du terrain. C'est vraiment très compliqué d'envisager d'aller sur des consultations en PMA ou même des protocoles de PMA si on n'a pas fait cette approche de terrain. C'est vraiment, vraiment la base essentielle. Et donc, pour vous parler un petit peu juste de ce qu'on a fait sur Fertiline, parce que ça peut vous intéresser par la suite aussi pour évaluer votre terrain,
Nous, on a créé justement cette masse de regroupement d'informations qui nous permet de regrouper l'information de chaque personne et de façon personnalisée, par le biais d'une intelligence conditionnée, de sortir des programmes, en fait, des programmes complètement personnalisés qui portent sur le volet nutrition, mais aussi sur le volet comportement et puis sur le volet environnement. D'ici quelques semaines, on aura sur notre site un test gratuit qui s'appelle le Fertiline Score, qui prend déjà en compte quelques facteurs et qui peut vous donner une indication. L'indication que ça vous donne, c'est finalement, est-ce que le terrain est idéal ou est-ce qu'il peut être amélioré? Enfin, c'est plutôt ça. Est-ce que le terrain peut être amélioré? Et si le terrain peut être amélioré, alors dans ce cas-là, je vous invite à le faire. Et vous pourrez le faire notamment par le biais de nos programmes, donc du Fertiline Concept, qui est le programme de préconception qui sera en ligne fin mai. Et plus tard aussi, des programmes d'accompagnement de la PMA. Mais encore une fois, je crois que l'accompagnement de la PMA ne devrait presque pas se faire sans approche de préconception. C'est vraiment la préparation du terrain qui va clairement faire pencher la balance. Une toute petite slide pour finir, pour dire que nous, notre objectif en fait chez Fertiline, c'est vraiment notre combat avec ADVA, c'est de contribuer en fait à générer une population plus fertile, une population plus saine. La fertilité, c'est vraiment le reflet de la santé d'une population, clairement. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une diminution de la fertilité et ce n'est pas normal. Il y a des facteurs qui sont des facteurs de terrain, des facteurs environnementaux et on doit travailler dessus. Et nous, on avait envie de le faire à beaucoup plus grande échelle. Et c'est pour ça qu'on a généré vraiment tout ce projet qu'est Fertiline pour pouvoir le faire et pour pouvoir vraiment impacter sur beaucoup plus de monde et générer à terme une population plus fertile et plus saine. Donc voilà où nous allons. Et vous, je ne sais pas, j'espère que vous irez un peu dans le même sens aussi, ou en tout cas que je vous aurai motivé à le faire déjà de façon très individuelle dès maintenant. Alors je vous remercie et puis je pense qu'on va passer maintenant à la séance de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Je vois qu'il y en a déjà en fait sur le fil. Alors je vais arrêter le diaporama. Tac, voilà. Ok, très bien. Merci Virginie, c'était très intéressant. Je pense que demain on va tous aller acheter des algues. Rupture de stock d'algues dans les magasins bio, ça va être sympa. Alors, question-réponse. Ouais. On va passer aux questions. Alors, j'ai eu des questions déjà sur mon mail avant le webinaire, donc on va commencer par celle-ci. Donc, je commence avec la première. Je m'oriente vers un double don. Est-ce intéressant d'avoir un régime adapté, bien que je n'utilise pas mes gamètes? Y a-t-il un intérêt pour le développement de l'endomètre et la nidation de l'embryon? Alors oui, clairement, en fait, l'ovocyte, c'est qu'une toute petite partie quand même de la conception. Cet ovocyte, il va être mis dans un système qui va avoir pour objectif de le développer. C'est vraiment le terrain de la femme qui va développer l'ovocyte qui a été donné. Et même sur le plan de la génétique, on sait que l'alimentation pendant la grossesse, pendant toutes les phases de la grossesse, va être déterminante sur la santé de l'enfant. Donc, ce n'est pas l'ovocyte qui est déterminante sur la santé de l'enfant, c'est ce que vous faites. En fait, dans votre grossesse, que vous allez manger. Donc ça, c'est très important. Et d'autant plus que l'alimentation, elle agit, comme on en a parlé, par exemple, pour le coenzyme Q10, pour les oméga-3, cette alimentation, elle agit sur les phénomènes d'implantation de qualité de l'endomètre. Donc l'ovocyte, finalement, c'est important, mais c'est une toute petite partie de la conception. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire derrière. D'accord. Alors, on va... À la deuxième question, quelles recommandations nutritionnelles pour améliorer la qualité ovocytaire? J'ai en effet 40 ans. Alors, on en a déjà parlé un petit peu, mais tout dépend déjà si on est dans un contexte d'insuffisance ovarienne ou non. Mais disons qu'à 40 ans, on peut se dire que l'AMH est déjà un petit peu basse, qu'on est déjà dans un contexte d'ovaire un peu fragilisé. Et donc, du coup, dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu là, les oméga-3, mais particulièrement le coenzyme Q10. Il y a beaucoup de publications en fait, sur justement les insuffisances ovariennes et le coenzyme Q10. Et une chose qui est très importante à ce stade-là, c'est le sommeil aussi. J'en parlais justement dans la dernière slide. Le sommeil a vraiment un impact, pourrait vraiment avoir un impact sur la qualité ovocytaire justement à 40 ans. Mais globalement,
tout ce que vous faites dans votre environnement a un impact sur la qualité ovocytaire, les perturbateurs endocriniens aussi, le stress aussi, évidemment, les antioxydants aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Mais je dirais principalement, si on parle vraiment de la qualité ovocytaire à 40 ans, c'est coenzyme Q10, sommeil et oméga 3. OK. Alors, une autre question. Quelles recommandations spécifiques pour les femmes minces atteintes de SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, à la fois pour améliorer les symptômes d'hyperandrogénie, mais également pour améliorer l'anovulation? Pour les femmes, donc là, on est chez les femmes minces atteintes de SOPK, hein, c'est ça? Alors, oui, effectivement, c'est ça. C'est un profil assez atypique. Bon, en tout cas, quand on parle de SOPK, on s'imagine tout de suite la personne qui est en résistance à l'insuline, tout ça. Mais on a vraiment ce type de profil. Et souvent, ce sont des femmes qui sont effectivement en hyperandrogénie, mais pas seulement. La femme mince qui a un SOPK, elle a aussi souvent une autre composante hormonale, hein, et souvent peut-être vraiment une déficience très accrue en progestérone ou en œstrogène. Donc là, le premier conseil qu'on va donner, c'est énormément de graisse, mais vraiment des graisses partout, partout, partout. Alors, pas n'importe quelle graisse, on en a parlé, des graisses de qualité, mais vraiment d'arroser ses salades, d'arroser ses assiettes, de mettre de l'huile de colza partout, parce qu'en fait, il faut faire remonter le niveau d'hormones féminines, et les oméga-3 aussi vont avoir un effet sur l'hyperandrogénie. Quand on a une hyperandrogénie, bah, il faut éviter aussi les produits animaux d'élevage issus d'élevage massif. Un bœuf qui a été élevé dans un élevage massif, il a été poussé dans sa croissance. Du coup, il a un développement d'androgène qui est beaucoup plus important. Donc, on va éviter ça. On va éviter les poissons d'élevage aussi. Hein, ça, c'est important pour faire baisser un petit peu l'hyperandrogénie. Et surtout, quand on est mince et qu'on a un SOPK, souvent, on a en fait un espèce de déséquilibre aussi entre la masse grasse et la masse musculaire. Donc, le conseil, c'est quand même d'essayer d'augmenter un petit peu l'alimentation en protéines et en graisses de qualité. Protéines plutôt végétales et graisses de qualité. OK. Une autre question. Café et alcool sont-ils totalement proscrits? Alors, café, non. Le café, il y a un peu toujours cette histoire de ratio bénéfice-risque. Le café a des propriétés antioxydantes. Donc, il peut être intéressant sur une phase de préconception, mais il n'est jamais intéressant s'il est en excès. Donc, en fait, ce qu'on peut conseiller, encore une fois, c'est un peu de façon générale, je ne connais pas votre cas particulier, mais ce qu'on peut conseiller de façon générale, c'est de se limiter à une ou deux tasses de café par jour. Et je ne le conseillerais pas trop, effectivement, une fois que la grossesse est lancée. En tout cas, je limiterais à une tasse par jour. Et puis, l'alcool. Ben, c'est vrai que l'alcool, c'est un énorme toxique pour l'enfant. Je ne peux pas vous dire de boire de l'alcool quand vous êtes enceinte. Ça, ce n'est pas possible. Donc, sur une phase lutéale, c'est-à-dire la phase qui survient après l'ovulation, ne buvez pas d'alcool, idéalement. C'est vraiment très toxique. Par contre, sur une phase folliculaire, la phase où vous produisez vos ovocytes, pourquoi pas, à la limite, mais vraiment, vraiment de façon modérée. Ce qui est très dangereux, en fait, avec l'alcool, c'est d'avoir une consommation excessive sur un temps court. Une soirée où vous êtes avec des amis, puis vous allez consommer 4, 5, 6 verres de vin, là vous allez créer de l'oxydation et vous allez altérer, en fait, vous risquez d'altérer vos ovocytes, clairement. Donc, consommation d'alcool en phase folliculaire uniquement et peut-être un verre, deux verres maximum à la fois. Et du vin rouge aussi, surtout. Voilà. Ce que je disais, le type d'alcool aussi. Voilà, le type d'alcool est important. Le vin rouge contient des antioxydants, donc un vin rouge très tannique, en phase folliculaire, à petite dose. Pourquoi pas ? Il faut aussi se faire plaisir. Hein, quand on est... enfin, je trouve que la contrainte de l'infertilité, elle est déjà suffisante pour ne pas s'imposer non plus des contraintes horribles. Donc, oui, faites-vous plaisir, mais vraiment sur la phase folliculaire et du bon vin rouge. D'accord. Alors, une autre question. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour une fausse couche ? Pardon, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour éviter une fausse couche, hein, c'est ça? Voilà. Là aussi, c'est très individuel. Et surtout, au niveau des fausses couches, il y a tellement de facteurs qui peuvent agir dans la fausse couche. Alors, évidemment, si vous aviez rempli un questionnaire Fertiline, je pourrais vous dire c'est ça qu'il faut améliorer, absolument. Maintenant, il y a plein de choses. La première chose, c'est l'immunité. Ben, si vous avez déjà vous-même des problématiques immunitaires, ben, évidemment, il faut travailler sur le plan immunitaire. La vascularisation, donc peut-être d'essayer de bouger régulièrement aussi, de beaucoup vous hydrater pour que l'endomètre soit bien hydraté.
de vous assurer que des apports en magnésium soient suffisants. Par exemple, si vous avez souvent des crampes, les paupières qui sautent, les muscles qui sautent, ça veut dire que votre statut en magnésium est insuffisant. Si les muscles de votre corps se contractent de façon involontaire, votre utérus le fait probablement aussi. Donc ça, il faut vraiment y être très, très attentif. Tout ce qui est stress et sommeil aussi, c'est important. Donc, en fait, je pourrais vous dresser une liste de près de 40 conseils, mais qui reste, il faudrait vraiment en rester de façon de façon personnalisée, quoi, en quelque sorte. Mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent jouer sur les fausses couches, énormément. Après, ça dépend aussi, j'ajoute quelque chose, ça dépend aussi si on est en FIV ou en FIV avec don d'ovocytes. Là, on n'a pas la réponse par rapport à cette personne. Parce que si c'est une FIV avec don d'ovocytes, alors on peut imaginer que les ovocytes sont jeunes. Et que le problème ne vient pas des ovocytes, il peut venir par contre des spermatozoïdes. Donc, c'est là où c'est important quand même que monsieur se prépare. Mais quand on est dans une FIV, alors ça peut être un problème d'embryon, tout simplement, un problème des ovocytes, un problème des spermatozoïdes ou un problème des deux. Et puis, quand on n'a pas une bonne qualité d'embryon, eh bien, ça peut aussi faire des fausses couches. C'est-à-dire que si les embryons ne sont pas bons, bah forcément, la nature, entre guillemets, j'aime pas tellement ce mot, mais être bien fait, c'est-à-dire qu'il s'élimine soi-même. Donc, les causes des fausses couches, c'est vrai qu'il faut regarder d'abord au niveau des embryons, si on est en FIV, et puis même si on est en FIV DO par rapport aux spermatozoïdes. Et puis après, effectivement, bah, c'est l'immunité. Et là, il y a un panel qui est juste énorme. Et plus j'en apprends, plus c'est... Voilà. Alors, je voudrais juste rajouter aussi quelque chose. C'est vrai que la fausse couche, pour moi, c'est vraiment un phénomène qui est très, très lié au terrain. On a été amené aujourd'hui pour développer nos programmes. On les a développés grâce à des couples de testeurs volontaires qui ont été fabuleux, qui nous ont, voilà, avec qui on est très fluide. On a eu pas mal de grossesses aussi. Et jusqu'ici, chez ces couples-là qui avaient déjà eu des fausses couches au préalable, on n'a pas eu de fausses couches pour le moment. On n'a pas eu une seule fausse couche. Alors c'est trop tôt pour le dire honnêtement, on parle aujourd'hui de trop peu de couples pour avérer que l'approche de terrain est si importante que ça, mais moi déjà c'est ce que je pense, c'est ce que je constate depuis des années en consultation et objectivement voilà, on le voit aujourd'hui, tous nos couples ont dépassé les 12 semaines de grossesse en fait, donc il y a des facteurs de terrain mais ils sont individuels, c'est clair. Mais les ovocytes et les spermatozoïdes, ben évidemment, ça vient du terrain. Donc on revient au même. Voilà. D'accord. Alors, on va passer à l'autre question. Pour reparler du saumon, même s'il est sauvage et non bio, le saumon est-il mauvais? Alors, s'il est sauvage et non... En fait, de toute façon, il ne peut pas être sauvage et bio. En fait, s'il est bio, il est d'élevage automatiquement. Donc, si le saumon est sauvage... Il est moins mauvais en fait, effectivement, parce qu'au moins il était dehors et puis il s'est nourri d'algues, donc il est moins mauvais. Par contre, il faut plutôt avoir des saumons sauvages, du saumon sauvage effectivement, et de petite taille. Ça reste quand même un moyen poisson, le saumon, hein. Ça reste quand même plutôt un moyen gros poisson, donc moins mauvais s'il est sauvage, mais préférez les sardines si possible. D'accord. La même personne pose une autre question. Je mange sans gluten et sans produits laitiers. Faudrait-il prendre le Culis en complément? Je précise que j'ai de l'endométriose et adénomyose sévère. Alors déjà, je trouve que pour une endométriose et une adénomyose, c'est pas une très mauvaise idée. C'est plutôt une bonne idée, hein, de pas avoir un surplus en tout cas de gluten et de produits laitiers. Donc je crois que la voie que vous avez choisie sur le plan alimentaire, elle est pas fausse. Elle est pas vraie pour tout le monde, mais elle est plutôt bonne. Est-ce qu'il faudrait vous complémenter en Q10? Oui, je pense. Il y a un phénomène inflammatoire qui est très fort dans l'endométriose qui crée aussi une altération des tissus et un vieillissement des tissus. Je pense que la complémentation en Q10 est une très bonne solution. Il y a beaucoup de publications qui sont en train de sortir au sujet de l'endométriose en ce moment. On jette un œil très, très fréquemment dessus. Il y a des choses qui vont être intéressantes d'ici quelques mois qu'on va aussi proposer dans les programmes. Mais c'est un petit peu nouveau tout ça. Mais en ce qui concerne le Q10, oui, je vous conseille effectivement de le faire. Tout ce qui est antioxydant va être bénéfique à l'endométriose. On le voit, toutes les publications vont dans ce sens. Alors, il y a des molécules antioxydantes qui seraient plus performantes que d'autres, a priori, mais le Q10, allez-y, sans aucun problème. Par contre, respectez vraiment des doses physiologiques. Hein. Une dose physiologique, c'est entre 20 et 40 mg de Q10 par jour. Ce n'est pas plus que ça. D'accord.
Une autre question, que pensez-vous de la mélatonine? Eh ben moi, personnellement, je pense que du bien de la mélatonine. Alors, j'en pense pas du bien pour tout le monde, soyons clairs. Là encore, c'est une histoire vraiment très, très. C'est une histoire de terrain, donc toujours très personnalisée, très individuelle. La mélatonine, elle a un intérêt si effectivement il y a un terrain plutôt d'insuffisance ovarienne et si on veut plutôt avoir un effet sur cette insuffisance ovarienne et sur la qualité ovocytaire dans ce cadre-là particulièrement. Et disons qu'elle a un intérêt s'il y a vraiment des signes et des indicateurs de déficit en mélatonine. Si on n'a pas d'indicateur de déficit en mélatonine, est-ce que c'est pertinent d'amener une complémentation en mélatonine? Bof, bof. Il y a toujours ce truc où il faut se dire, la mélatonine, bah voilà, c'est un neurotransmetteur que vous êtes censé produire vous-même. Si vous le produisez bien, pas forcément trop d'intérêt à en amener. Et si vous ne le produisez pas, ben, oui, vous pouvez en amener, mais il y a des choses, des attitudes dans l'alimentation aussi qui renforcent la production de mélatonine. Et je crois qu'il ne faut pas penser que complémentation. C'est vrai que la mélatonine a un impact très fort sur les ovocytes, et cette mélatonine, vous êtes capable de la produire. Et il y a des attitudes alimentaires qui font que vous êtes encore plus capable de la produire. Donc oui, il faut peut-être vous complémenter, mais il faut aussi mettre une alimentation promotrice en fait en place. Mais c'est bien la mélatonine, oui, tout à fait. D'accord. Une autre question, que pensez-vous des probiotiques avant un transfert? Alors, j'en pense beaucoup de bien. En fait, après, si vous voulez, probiotiques, ça ne me dit pas grand-chose dans le sens où probiotiques, c'est un peu une espèce de poubelle de vocabulaire, entre guillemets, c'est-à-dire que ça veut juste dire souche, souche de la flore intestinale. Enfin, souche, oui, donc, mais bon. Tout dépend des souches utilisées parce que ce qu'il faut comprendre dans les probiotiques c'est que telle souche va avoir un impact sur tel facteur immunitaire, telle souche va avoir un impact sur tel facteur immunitaire. Donc si vous ne connaissez pas votre terrain et que vous prenez un probiotique au hasard, peut-être que ça va être très bien et peut-être que ça ne va pas être très bien, notamment ben, si on reprend le cas de l'endométriose ou du syndrome des ovaires polykystiques, c'est vraiment des problématiques dans lesquelles on a des gros bouleversements immunitaires. On sait que l'immunité est perturbée, il y a beaucoup de publications là-dessus, et là, il faut utiliser des probiotiques vraiment très spécifiques. Et on ne doit pas les utiliser au hasard. Alors, si on en utilise un au hasard, oui, ça peut être bien, mais moi, j'irais utiliser plutôt des spécifiques, effectivement. Des souches vraiment très, très, très ciblées. Et après, de l'utiliser avant un transfert, moi, je l'utiliserais plutôt de façon même plus précoce que ça. Pas forcément juste avant le transfert, mais de façon plus précoce et peut-être même sur une petite partie de la grossesse aussi. D'accord. Alors, une autre question, on a déjà répondu en partie. Le café et le thé sont-ils mauvais pour la fertilité? Bah, ça dépend de la dose, en fait. Donc, le thé vert, si vous prenez un thé vert qui est sans sachet, hein, que vous faites infuser comme ça dans votre tasse avec une boule à thé, c'est plutôt un antioxydant. Donc, si vous en buvez un ou deux par jour, ça va. Le thé noir est moins intéressant. Et le café, il faudrait rester sur une quantité en dessous de 2 par jour. En fait, café et thé confondus ne dépassez pas les 2 par jour. Et plutôt le matin, parce que sinon, évidemment, si vous buvez du thé tout l'après-midi, là, vous allez avoir un problème de mélatonine le soir. C'est clair. Ok, une autre question. Concernant les algues, pour l'hypothyroïdie, sont-elles indiquées? Bien sûr, elles sont plus qu'indiquées. Elles sont fortement recommandées parce que si vous avez une hypothyroïdie, souvent, les hypothyroïdies sont combinées avec des déficiences en iode. Alors, ce n'est pas toujours le cas. On peut voir exceptionnellement des hypothyroïdies dans lesquelles il y a un statut en iode qui est suffisant. Mais si vous avez une hypothyroïdie avec une déficience en iode, ça aggrave évidemment le problème parce que vous allez produire beaucoup moins d'hormones thyroïdiennes. Alors, dans ce cas-là, par contre, quand il y a un problème de thyroïde, effectivement, moi, je conseille souvent aux personnes d'aller doser la iodurie avant pour être à peu près sûre. Si vous faites que de consommer des algues, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez vraiment vous complémenter en iode, je vous invite à aller faire un dosage de votre iode urinaire. D'accord. Une autre question. Ponction faite en mars, mais elle n'a pas eu lieu à cause de mon taux d'estrogène. Quel est le temps nécessaire pour avoir des effets sur mon corps? 3 mois aussi. Merci. Alors, j'ai pas compris le tout début de la phrase. Ponction faite en mars, mais elle n'a pas eu lieu. D'accord. Ok, à cause du taux d'œstrogène qui était trop haut, en fait, c'est ça, qui était trop élevé. Et combien de temps, c'est ça, faut-il préparer à l'avance? Oui. Non. Donc,
En fait, une ponction qui n'a pas lieu effectivement à cause d'un taux d'œstrogène trop élevé, ben là, ce qu'il faut, là aussi, on est sur une approche de terrain où on devrait, si on sait que ce taux d'œstrogène est déjà élevé à la base et qu'on a des indicateurs qui nous disent qu'il y a ce qu'on appelle une hyperœstrogénie relative, il faut moduler aussi le terrain parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus productrices d'œstrogène que d'autres. Et il y a des signes pour ça, hein, on les connaît, nous, on s'en sert comme indicateur dans les programmes et dans les questionnaires. Et donc, du coup, si on a ces signes-là, ça veut dire qu'il faut aller moduler le terrain. Donc, comment on fait baisser les œstrogènes? Ben, on prend beaucoup d'oméga-3, on baisse les oméga-6. Ça, c'est vraiment ce qu'on disait là au niveau des oméga-3, oméga-6. C'est les plus gros modulateurs, hein, de l'équilibre œstrogène-progestérone. Donc, beaucoup d'oméga-3, beaucoup moins d'oméga-6. Et ça, sur 3 à 6 mois, effectivement, avant le prochain protocole. OK. Alors, une autre question. Quel aliment pourrait favoriser la nidation dans le cadre d'un don d'ovocytes? Eh ben, en fait, il y a beaucoup de... Alors, un aliment en soi, je ne crois pas qu'il y ait un aliment cible et clé pour l'anidation. Par contre, ce qui va favoriser l'anidation, c'est tout ce qui va favoriser la vascularisation, tout ce qui va favoriser votre capacité à envoyer du flux sanguin dans cet endomètre et à pouvoir envoyer du flux sanguin pour la production du placenta, envoyer de l'énergie pour la division cellulaire. Donc, notamment, si je devais choisir un seul aliment clé pour l'anidation, je pense que je choisirais plutôt l'épinard. Bizarrement, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais bon, tout simplement parce que déjà, c'est hyper riche en acide folique, et donc du coup, l'acide folique, il est quand même important pour la division cellulaire. Et en plus, l'épinard, il contient des phénols. Et les phénols, qui sont ces fameuses molécules colorées, elles ont un rôle qui est très important dans la vascularisation. Et l'épinard regroupe ces deux choses. Mais après, globalement, tous les aliments colorés vont tenir un rôle important dans la vascularisation. Donc, c'est cela qu'il faut choisir. Même le chocolat, hein, par exemple, si on veut vraiment être dans les aliments plaisir. Alors, pas le chocolat au lait ni blanc, vraiment le vrai chocolat noir, très noir. Et ça, c'est intéressant pour la vascularisation. OK, une autre question. Que pensez-vous du curcuma et du gingembre dans le cas de l'endométriose? Alors, le curcuma, déjà, dans le cas de l'endométriose, c'est publié, donc c'est très bien. Par contre, il faut comprendre que le curcuma, tout dépend de la qualité de curcuma que vous allez utiliser. C'est pas une molécule très facile à assimiler, la curcumine, hein, donc le principe actif du curcuma. Donc là, il faut utiliser des formes très, très bioactives pour que ce soit efficace. Alors, le gingembre dans l'endométriose, effectivement, on en parle, on en entend parler, mais plutôt sur, comment dire, des sites grand public. Mais en termes de publication, non, il n'y a pas vraiment. Il y a d'autres choses, mais par contre, le curcuma, effectivement, c'est juste. Mais il faut utiliser plutôt des curcumines phospholipides, des curcumines liposomales, des formes qui seraient très, très bien absorbées, en fait. Et juste d'ajouter du curcuma comme ça dans son alimentation, à mon sens, ce n'est pas tout à fait suffisant pour pallier à une endométriose et pour agir sur le terrain de l'endométriose. Notre question, que le fœtus peut être allergique à l'arachide, le germe de blé, est-ce bon ou mauvais? Est-ce que le fœtus peut être allergique à l'arachide, c'est ça la question? Alors, ça bug un peu au niveau du réseau, je m'excuse. Ah, pardon. Alors, il y a deux questions de la même personne. Est-ce que le fœtus peut être allergique à l'arachide? Et le germe de blé, est-ce bon ou mauvais? Alors, est-ce qu'un fœtus peut être allergique à l'arachide? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas vous raconter de bêtises par rapport à ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immunité de l'enfant, elle est très peu développée jusqu'à 3 ans. Donc, l'immunité d'un fœtus, elle n'est pas très développée non plus. Il y a peu de risques d'allergie quand même. Comme ça, je dirais que non, mais honnêtement, je ne sais pas. C'est une question que je ne m'étais pas posée, mais que je peux me poser aussi. Excuse-moi, je te coupe, mais je pense que c'était dans le cadre si la maman mange beaucoup de noix, en fait. Il me semble, c'était pas ça, Sophie? Il y a une autre question sur... Comme ça d'accord. Okay. Une personne qui est allergique aux noix et qui demande s'il y a des alternatives. D'accord, pardon, je t'ai coupé. Ah, par rapport aux noix, est-ce qu'il y a des alternatives? Alors, juste pour finir avec l'arachide, en fait, l'arachide, de toute façon, c'est bourré d'oméga-6 et ce n'est pas idéal pour l'implantation. Donc, si la question, c'est j'ai mangé des tonnes d'arachide et puis finalement, j'ai eu des défauts d'implantation ou un échec de transfert, est-ce que ça peut être à cause de ça? Ce n'est pas que à cause de ça, c'est un des facteurs parmi tant d'autres, mais c'est quand même très pro-inflammatoire, la cacahuète. Je ne la conseillerais pas sur une phase d'implantation, c'est clair. Après, quand on est allergique aux noix en général, donc aux cerneaux de noix, là on parle, j'imagine,
Quelles sont les autres alternatives? Bon, déjà, dans les amandes, il y a quand même un petit peu d'oméga 3, bon, il y a des oméga 6 aussi. Mais sinon, une alternative que moi j'aime beaucoup, c'est les graines de chanvre. Les graines de chanvre décortiquées. Alors en Suisse, on trouve beaucoup de graines de chanvre partout, mais les graines de chanvre n'ont pas du tout d'effet drogant, hein, rassurez-vous, quand c'est consommé comme ça dans l'alimentation. Et en fait, ces graines de chanvre, elles sont très riches en oméga 3. On peut rajouter dans les salades, on peut même les grignoter comme ça, en fait. Ou les mettre dans des boules d'énergie, par exemple. D'accord. Alors, une autre question. Alors, j'essaye de choisir les questions simplement sur la nutrition. Je vois qu'il y a aussi des questions sur les traitements en eux-mêmes. Ça, on pourra en répondre si vous voulez au cours de soit un autre webinaire en particulier sur ça, ou alors vous pouvez nous poser nos questions sur sur nos mails. Mais là, on va vraiment se concentrer sur les questions nutrition parce qu'il y en a déjà beaucoup. Alors, j'ai une question. On parle souvent du jus d'ananas et du jus de raisin pour favoriser la nidation. Qu'en pensez-vous? Alors, en fait, dans le jus d'ananas, on a de la bromélaïne qui est un antioxydant, donc qui fait partie des molécules dont on parlait pour la vascularisation. Dans le jus de raisin, on a du resvératrol qui est un antioxydant, qui a aussi un impact très favorable sur la vascularisation. Maintenant, j'ai quand même un problème avec ça, c'est que ça dépend du profil. Si vous avez un profil déjà un peu déficitaire en progestérone, et que vous avez déjà des défauts d'implantation, le fait de rajouter des jus, ça rajoute quand même passablement de sucre, et tout ce sucre va faire baisser encore votre progestérone. Donc, je ne le ferai pas, en tout cas, chez une personne qui aurait déjà des problématiques liées à un déficit de progestérone et des défauts d'implantation. Et le problème avec ces conseils qui sont un peu systématisés et qu'on entend beaucoup sur les réseaux, c'est que les personnes qui vont le faire souvent sont des personnes qui ont des défauts d'implantation, malheureusement, et que le fait d'amener tant de sucre pourrait aggraver les défauts d'implantation. Donc, je crois que d'amener les molécules phares, pourquoi pas, ou d'amener des choses qui contiennent finalement des phénols, mais qui soient moins sucrées, je ne sais pas, les fruits rouges, par exemple. D'accord. Une autre personne, alors, on revient sur les épinards. Est-ce que les épinards doivent être mangés frais, en salade ou cuits? Alors là, il n'y a pas de souci, vous pouvez les manger. En fait, si vous les mangez cuits, vous aurez déjà une plus grande quantité parce que les épinards frais, faites le test de mettre 100 grammes d'épinards frais dans un saladier, ça vous remplit le saladier. Hein. Si vous les avez cuits, ça vous fait une toute petite portion comme ça. Donc quand vous les mangez cuits, vous allez en manger plus. Alors moi, je vous conseille de les manger cuits. Et il y a surtout une chose, c'est qu'il faut les manger huilés parce que je vous parle de ces molécules colorées, mais ces fameuses molécules colorées qui sont importantes pour la vascularisation, elles sont liposolubles. Si vous n'avez pas d'huile en même temps, vous ne les absorbez pas en fait, tout simplement. Donc, des épinards plutôt cuits et huilés par contre. Donc, il y a une autre question. Quelle différence entre EPA et DHA? Alors, ce n'est pas le même type de graisse. En fait, quand on parle d'oméga 3, c'est une famille oméga 3. Et dans ces oméga 3, on a les oméga 3 végétaux qui ensuite vont se transformer en EPA et qui ensuite vont se transformer en DHA. Donc, l'EPA, c'est plutôt un intermédiaire qui est intéressant. Mais ce qui nous intéresse surtout en fertilité, c'est le DHA. Parce qu'en fait, le DHA, il a un rôle très spécifique qui est la gestion de l'inflammation et l'équilibrage hormonal. Et donc, l'EPA et le DHA sont deux formes qu'on produit nous-mêmes, soit qu'on trouve chez les animaux. On ne les trouve pas dans le monde végétal. Donc, par exemple, si vous êtes végétalien, complètement végétalien, il y a peu de chances que vous ayez un statut suffisant en EPA ou en DHA. Et dans ce cas-là, il faut vraiment vous complémenter en DHA d'algues. Hein, notamment, on retrouve les algues. Il y a certaines algues qui contiennent du DHA. Donc, en fertilité, l'objectif, c'est vraiment de complémenter en DHA. D'accord. Une autre question, est-ce mauvais de manger trop de pâtes? Bah, de façon générale, ouais, c'est pas très bon. De façon générale, c'est pas très bon parce que si on mange trop de pâtes, ça veut dire qu'on mange moins d'autres choses déjà. Au-delà de ça, ben, les pâtes, c'est quand même assez concentré en gluten. Alors, l'aspect gluten-fertilité, ça va pas sur tous les terrains. Il y a des personnes que ça concerne, puis d'autres personnes que ça concerne pas du tout. Mais l'idée de manger trop d'un aliment, déjà, elle n'est pas cohérente avec une alimentation à visée fertilité. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir de la variété, en fait, parce que d'avoir de la variété, ça vous amène des vitamines, des minéraux, plein de choses. Maintenant, si vous aimez que les pâtes et que vous avez envie de manger que ça,
Ben là, je vous invite plutôt à changer de type de pâte à manger. Un coup des pâtes à base de pois chiches, un coup des pâtes à base de lentilles, un coup des pâtes à base de riz, un coup des pâtes à base de blé ou de quinoa. Enfin, de varier au moins le type de pâte, quoi. Au moins ça, on va dire. Ok, une autre question. Est-il nécessaire de se complémenter en acide folique dès la préconception? Oui, c'est nécessaire, c'est clair. C'est une... Alors bon... L'acide folique, aujourd'hui, on ne le complémente pas pour les raisons que nous, on défend forcément en nutrition. L'acide folique, il est complémenté surtout pour la prévention des spina bifida et chez toutes les femmes en fertilité ou en infertilité. Hein, c'est le même lot chez tout le monde. Vous allez voir votre gynécologue pour annoncer que vous voulez avoir un bébé. On va vous complémenter en acide folique obligatoirement. Cet acide folique, il est essentiel. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes formes d'acide folique. Et que tout le monde n'assimile pas l'acide folique de la même façon, tout le monde ne l'utilise pas de la même façon, et que chez certaines personnes, des formes trop basiques d'acide folique peuvent même être dangereuses en fait pour la santé hein, et pour la fertilité. Donc il faut non seulement se complémenter en acide folique, mais il faut trouver la bonne forme d'acide folique qui va avec la personne. C'est un peu ça aussi l'idée quoi. Ok, une autre question. Alors, lors de ma première FIV, aucune fécondation n'a pu être observée car le cumulus de mes ovocytes était trop épais. Savez-vous si mon alimentation peut être en cause? Moi, je dirais que... j'ai pas de piste sûre là-dessus, mais je pense que si effectivement les ovocytes n'ont pas pu être fécondés parce qu'il y avait un souci de pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte, j'imagine que c'est plutôt une problématique qui est en lien avec la rigidité de la cellule. Et là, j'incriminerais volontiers le côté oméga-3. Encore une fois, ça reste un facteur et il y a probablement d'autres facteurs. Mais je crois que là, il faudrait mettre beaucoup, beaucoup d'énergie sur l'aspect oméga-3, équilibre oméga-3-oméga-6. Ok, une autre question. Est-ce qu'un jeûne ou une monodiète peut être intéressant en préconception? Tout dépend sur combien de jours. Moi, ce qui est intéressant avec le principe des monodiètes, c'est de soulager un système. Si par exemple, vous avez un système de détoxication qui est complètement à HS parce que vous avez fait peut-être plusieurs stimulations ou parce que naturellement, vous avez un foie qui élimine pas très très bien, bah, finalement, de faire une monodiète sur un jour ou deux jours, ça peut être plutôt bien. Maintenant, si vous n'avez pas forcément de soucis d'élimination, les monodiètes, c'est quand même relativement restrictif et on tombe toujours dans le même type d'aliments et souvent dans des aliments qui sont pas forcément très nutritifs, quoi. Donc, moi, je vous le conseille vraiment si vous voulez aborder l'aspect détox, mais vraiment sur une ou deux journées peut-être par mois ou vous voyez, sans forcément trop forcer sur ce concept-là. Donc, pourquoi pas, mais seulement si c'est pour un souci de détox, en fait. D'accord. Une autre question. Y a-t-il un risque à consommer trop d'oméga-3? Oui, il y a un risque, en fait. Bien sûr, comme tout, il y a une histoire de bon et de mauvais ratio. Donc, alors, dans l'alimentation, c'est vraiment très compliqué dans l'alimentation d'arriver à des apports très hauts en oméga-3. C'est des choses qu'on dose aussi dans le sang, dans le cadre des consultations. Honnêtement, je ne sais pas, des patients qui ont un ratio normal au niveau des oméga-3, j'en ai peut-être vu 3 en 15 ans de carrière, y compris mon dossier, hein, donc 2 en fait, en dehors de moi. Et du coup, c'est un peu, c'est assez rare hein, d'arriver à des niveaux très élevés. Le risque, par exemple, si demain vous vous dites « Ah ben tiens, c'est super intéressant ce qu'elle a dit Virginie, je vais mettre des tonnes d'oméga-3, puis je vais prendre 6 gélules par jour d'oméga-3 pendant 6 mois », et que vous développez trop d'oméga-3, déjà vous allez le voir parce que à chaque fois que vous allez vous faire un petit coup, vous allez commencer à avoir des bleus beaucoup plus facilement. Donc ça veut dire que vous avez une vascularisation qui est trop fluide en fait, un sang qui est beaucoup trop fluide. Pas assez d'oméga-3, ça donne un sang plus épais, et puis trop d'oméga-3, ça donne un sang trop fluide. Et le risque en fait, c'est quand même le risque d'hémorragie, mais vraiment sur des doses énormes et très très élevées. Mais il faut considérer ça parce que sur une grossesse, d'ailleurs, on arrête les complémentations en oméga-3 un mois avant l'accouchement par rapport au risque d'hémorragie. Donc oui, il faut le considérer. En fait, comme tout, hein, un antioxydant, quand vous le prenez en surdosage, il devient pro-oxydant. Et un oméga-3, si vous le surdosez beaucoup, beaucoup trop, ben vous avez des risques qui sont liés, clairement. D'accord. Une autre question. Les doses que vous donnez sont-elles des moyennes? Ou faut-il les adapter à la corpulence? Exemple, une personne grande, petite, prend-elle les mêmes doses, idem pour le poids?
Donc, je pense qu'on parle des doses de micronutriments. Hein. Alors, les doses de micronutriments, en fait, ce sont les doses qu'on appelle les apports nutritionnels conseillés. C'est les doses qui sont validées par l'OMS. Donc, c'est pas mes doses à moi, en fait. Hein. C'est vraiment des doses générales qui sont réglementées au niveau de la santé. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence au niveau du poids, en tout cas sur ce dosage-là. Et je pense, c'est une question très pertinente parce que je pense aussi qu'il devrait y en avoir. Effectivement, qu'on ne devrait pas donner la même dose d'iode à une personne qui pèse 40 kg et à une personne qui en pèse 80. Donc, c'est très pertinent. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette variation de dose en fonction de la spécificité. Alors, nous, on le fait dans les programmes, effectivement, notamment par rapport à la vitamine D, on va donner des doses différentes en fonction des pathologies et en fonction des problématiques de santé. Mais ça, c'est vraiment très, très individuel. Donc oui, il peut y avoir des variations de doses, mais je ne peux pas vous dire pour tel truc, il faut ça, pour tel truc, il faut ça. Donc la dose générale sur laquelle on est sûr, on se base vraiment sur ces ANC, les apports nutritionnels conseillés pour la population. Et ça, c'est vraiment la dose OMS. Donc là, ce que je vous ai donné, c'est les références en fait, santé. D'accord. Une autre question. Je suis tombée enceinte il y a 7 ans à 80 kg pour 1m65. L'année dernière, j'ai perdu 15 kg avec sport et régime, mais je ne suis pas retombée enceinte. Je désespère. Que puis-je faire au niveau de l'alimentation pour augmenter mes chances? Alors, j'aurais envie de dire, ce serait intéressant de savoir comment vous avez perdu ces 15 kilos. Est-ce que vous les avez perdus avec une restriction calorique, notamment qui portait sur les graisses? Parce que on voit très souvent quand il y a des... Et puis, est-ce que c'était progressif ou est-ce que c'était plutôt une perte de poids brutale? En fertilité, on va déconseiller les pertes de poids brutales parce qu'elles créent des variations hormonales beaucoup, beaucoup, beaucoup trop importantes et parfois énormément d'oxydation. Donc, il faut comprendre que quand vous perdez du poids, vous libérez des graisses dans votre sang et ces graisses, elles sont fragiles et elles vont probablement être oxydées et ça va abîmer un petit peu votre système. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de pertes de poids trop brutales et avoir plutôt des pertes de poids modérées. Et surtout, posez-vous la question, est-ce que quand vous avez fait cette perte de poids, vous avez vraiment abaissé vos huiles et vos corps gras dans l'alimentation? Et si c'est le cas, ce qu'il faudrait refaire maintenant, c'est remettre des graisses de qualité pour remonter votre statut hormonal et remonter l'aspect vascularisation aussi. D'accord. Une autre question, que faut-il privilégier comme alimentation pour améliorer la qualité des spermatozoïdes, notamment pour les formes atypiques? Pour les formes atypiques. Ah, pour les formes atypiques. Alors, pour les formes atypiques, en fait, les formes atypiques, tout dépend déjà comment ils sont atypiques. S'ils sont atypiques de la tête, ça veut dire qu'ils ont eu des problématiques pendant vraiment au tout début de la spermatogénèse. C'est probablement en lien avec des problématiques de division cellulaire. Donc là, on incrimine la vitamine B9, la vitamine B12. Donc, pour ce qui est de la vitamine B9, c'est assez simple. Hein. Vous allez la trouver un peu dans tout ce qui est vert. Et la vitamine B12, vous allez la trouver dans les produits animaux. Donc, il faut être sûr d'avoir un apport suffisant en aliments verts, en gros, et en produits animaux. Ça, c'est la première chose pour que, justement, la typicité des spermatozoïdes puisse évoluer, voire même mettre en place une complémentation en B9 ou en B12. Et après, souvent, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les spermatozoïdes, eux, ben, comme les ovocytes, c'est des cellules qui sont très grasses et qui sont très sensibles à l'oxydation. Dès qu'il y a du stress, et des cas notamment un stress oxydatif, c'est-à-dire beaucoup de radicaux libres, une personne qui ferait trop de sport, par exemple, on sait que le sport c'est bon pour la santé, mais trop, ça crée de l'oxydation. Une personne qui fumerait, qui consommerait trop d'alcool fort, qui mangerait trop de graisse saturée, tout ça, ça va en fait augmenter le niveau d'oxydation. Donc dans ce cas-là, il faut diminuer ces attitudes finalement néfastes, et puis plutôt améliorer des attitudes bénéfiques avec un apport important en antioxydants. D'accord, une autre question, le fromage est-il mauvais? Alors, c'est une question un peu large, c'est une bonne question et puis à la fois c'est un peu large. Ça dépend quel fromage, je ne vais pas citer de nom parce que, voilà, mais si on parle de fromage industriel, c'est-à-dire vraiment les fromages que vous allez voir dans les pubs à la télé, qui sont faits pour les enfants ou pour les adultes qui sont un peu restés enfants par exemple, et bien tous ces fromages-là qui souvent sont des fromages de marque, sont quand même produits avec un lait qui est probablement de moins bonne qualité. Et du coup, je ne les classerai pas dans mauvais, mais je ne les classerai pas dans bénéfique non plus. Pour savoir si un fromage est bon, il y a déjà un gros critère de qualité qui est la couleur du fromage. Un fromage est bon quand une vache a mangé de l'herbe. En gros, une vache qui mange de l'herbe, elle fait un fromage qui est plutôt jaune. Donc, si vous trouvez un fromage plutôt jaune, ça veut dire qu'a priori,
il est plutôt bon. Et ce fromage aura un goût aussi meilleur. Ça, c'est que pour la vache. Après, pour les fromages de chèvre et de brebis, ils ne vont jamais se teinter, mais souvent, ils sont de meilleure qualité que les fromages de vache. Donc, je dirais, si on veut choisir des produits de qualité, c'est fromage de chèvre, fromage de brebis, de bufflone et de vache qui mange de l'herbe. Donc, plutôt fromage jaune. OK, une autre question. En parcours PMA avec la maladie d'Hashimoto, endométriose et insuffisance ovarienne précoce, en pause pour le moment avec le coronavirus, je continue de prendre du Genifam Supra, association de vitamines B9 et B12, acide folique et homocystéine. Est-ce conseillé? Et homocystéine? Oui. Elle a dosé ça en homocystéine? Je n'ai pas compris. Parce qu'on ne complémente pas en homocystéine, en général, c'est très toxique. Je pense que c'est plus que le Genifam a été instauré pour l'homocystéine, j'imagine que c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, il y a insuffisance ovarienne, endométriose, c'est ça? Et puis maladie de Hashimoto, endométriose et insuffisance ovarienne. Ok, et la question, c'était quoi en fait? Du coup, j'ai perdu le fil. Elle est en parcours et ça a été interrompu à cause du coronavirus. Est-ce que c'est conseillé de continuer ses vitamines ou est-ce qu'elle doit arrêter? Alors, moi, je conseillerais de continuer les vitamines. Je conseillerais aussi peut-être d'en profiter pour doser justement l'iode au niveau urinaire parce que la maladie d'Hashimoto, évidemment, c'est une maladie qui touche la thyroïde, hein, clairement. Et donc, du coup, on sait que si c'est combiné avec une carence en iode, c'est encore pire et c'est encore plus impactant, effectivement, sur la fertilité. Et dans tout ce contexte, vous voyez, il y a plusieurs problématiques. Hein. Il y a l'insuffisance ovarienne sur laquelle on se demande vraiment quel est le rôle de l'immunité. On pense aujourd'hui que ça pourrait être, en fait, qu'il pourrait y avoir des composantes auto-immunes sur les insuffisances ovariennes. Hashimoto est une maladie auto-immune. L'endométriose, on se pose la question de l'auto-immunité. Je crois que là, il y aurait des choses intéressantes à faire aussi sur le plan immunitaire, vraiment. Donc, de complémenter, oui, c'est bien, mais aussi, je crois, à terme, d'avoir vraiment une approche de terrain sur le plan immunitaire parce que quand on a plusieurs choses comme ça, souvent c'est pas des choses indépendantes, hein. Il y a une cause, un terrain commun qui développe un petit peu tout ça et du coup il faut travailler quand même sur ce terrain commun à mon sens. Ok, on passe à une autre question. Si on a bu beaucoup d'alcool quand on était jeune, cela peut-il avoir des effets maintenant? Pour une femme ou pour un homme en fait? Alors si c'est pour un homme, moins quand même que pour une femme. Mais non, globalement, ce qui compte, c'est surtout ce qu'on fait sur les 3 à 6 derniers mois. Mais ça pourrait avoir un impact, mais à mon sens, un impact réversible quand même, clairement réversible. Donc dans ce cas, si moi je conseillerais plutôt effectivement d'aller beaucoup beaucoup augmenter les antioxydants sur le terrain pour justement protéger mieux les ovocytes et peut-être regagner un petit peu en qualité d'ovocytes effectivement. D'accord, une autre question. Alors j'ai 46 ans avec de l'endométriose et monsieur 40 ans, tous les deux en surpoids. Si tout se passe bien, je fais une FIBO en juin. Sur quoi puis-je travailler en priorité et comment? Donc, on parle d'une FIBDO, on est sur juin et avec une endométriose et puis un surpoids. Ça a coupé, j'ai pas compris. Alors, donc il y a de l'endométriose, les deux en surpoids. Oui. Et une FIBDO en juin. Oui, et une FIBDO en juin. Donc, FIBDO, ça veut dire que là, on ne va effectivement pas mettre l'énergie sur les ovocytes, mais plutôt sur tout ce qui est qualité d'implantation. La régulation du poids, ça pourrait être quelque chose d'important. Ce n'est pas tant le poids peut-être qui poserait problème, mais plutôt la production d'insuline ou la résistance à l'insuline qui en découle, hein, qui est pas favorable en fait à l'implantation. Donc, peut-être, effectivement, comme on le disait là, d'aller vraiment sur des féculents à charge glycémique basse, de mettre ça en place, des charges glycémiques très, 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 très basses, peut-être de cuisiner davantage et d'utiliser dans ce que vous cuisinez tout en vous faisant plaisir de remplacer le sucre par des compotes de fruits, par des choses qui ne vont pas être forcément des sucres très élevés en termes d'index glycémique. Donc, plutôt
index glycémique bas et charge glycémique basse au niveau de l'alimentation. Et surtout, moi, je travaillerai sur, vraiment sur les facteurs liés à l'implantation. Donc, vraiment, c'est tout ce qui est aliment coloré, d'en rajouter de façon très, très importante dans l'alimentation et de rajouter aussi les oméga-3 de façon importante dans l'alimentation. De miser beaucoup, beaucoup sur l'aspect implantation. C'est ça qui est important. De vérifier aussi peut-être si... si vous avez des indications de carence en magnésium, justement ce qu'on disait, les muscles qui sautent, les paupières qui sautent un petit peu, et puis un stress qui est un peu trop important, dans ce cas-là, pourquoi pas aussi vous complémenter en magnésium. Ok, une autre question. L'huile d'olive a-t-elle les mêmes vertus que l'huile de colza de noix? Pas du tout. Non, elle n'a pas du tout les mêmes vertus. L'huile d'olive, c'est une huile qui est bonne pour la santé, hein, qui est constituée essentiellement de graisses monoinsaturées. Et ces graisses, elles sont bonnes en général. L'huile d'olive est très riche en antioxydants, donc elle est bonne pour la fertilité. Par contre, elle ne se substitue pas aux huiles riches en oméga-3 parce qu'elle n'en contient pas, en fait, hein, des oméga-3. Donc, elle ne peut pas remplacer une huile riche en oméga-3. Il faut vraiment de l'huile de noix ou de l'huile de colza ou de l'huile de caméline, éventuellement, aussi, qui est une très bonne huile. Mais vraiment des huiles spécifiquement riches en oméga-3. D'accord. Une autre question. Ayant été très sportive et de nature athlétique, j'ai une masse musculaire actuellement un peu supérieure à la moyenne. L'équilibre hormonal peut-il être bouleversé? Est-ce embêtant pour la nidation à un transfert d'embryon? En fait, la masse musculaire en elle-même, non, elle n'est pas embêtante. Par contre, ce qui est embêtant, c'est la cause probablement d'augmentation de cette masse musculaire. Quand on a une masse musculaire qui est plus haute que la moyenne, ça veut dire qu'on est probablement trop bon producteur d'insuline, justement. L'insuline, c'est une hormone qui sert à stocker les sucres, hein, dans les cellules. Et quand on produit trop de cette insuline, ben, on va produire souvent trop de masse grasse, mais aussi trop de masse musculaire. Donc, du coup, ce n'est pas la masse musculaire qui est inquiétante en soi pour l'implantation, c'est plutôt l'insuline. Donc, même conseil, plutôt d'aller vraiment sur des charges glycémiques très, très abaissées, en tout cas autour de l'implantation. Ça, oui, clairement. Plutôt moins de glucides et puis des glucides de très bonne qualité pour mieux gérer l'insuline, justement. Ok, une autre question. Le test Matrice Lab a montré un déficit immunitaire dans mon utérus. Peut-on l'améliorer par l'alimentation? Alors, oui, globalement, on peut toujours améliorer le terrain par l'alimentation, ça c'est clair. Déficit immunitaire, l'immunité, en fait, elle est très sensible à beaucoup de choses dans l'alimentation. Elle est sensible à certains perturbateurs immunitaires, donc notamment le gluten, la caséine des produits laitiers peuvent jouer un rôle de perturbateur immunitaire, ça c'est clair, mais pas sur tous les terrains, encore une fois. La vitamine D est un énorme régulateur immunitaire. La flore intestinale est un énorme régulateur immunitaire. Donc, l'indication maladie, en fait, ça ne suffit pas. Il faudrait avoir vraiment d'autres indications de terrain. Est-ce qu'il y a des troubles digestifs qui pourraient faire penser qu'il y a des défauts au niveau de la flore intestinale? Et dans ce cas-là, il faut corriger cette flore intestinale. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient nous indiquer une carence en vitamine D? Et dans ce cas-là, il faut ramener plus de vitamine D. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau de l'immunité, mais il faut vraiment connaître le terrain. Et juste l'indication déficit immunitaire au niveau de l'endomètre, elle ne suffit pas, parce que ce qui se passe au niveau de votre endomètre, ce n'est pas forcément ce qui se passe au niveau du système non plus. Par exemple, dans le cas de l'endométriose, on sait qu'il y a plutôt une hyper-immunité au niveau de l'endomètre, alors qu'en fait, il y a vraiment un déficit de Treg au niveau systémique. Donc, on a une immunité qui est carrément inversée entre l'endomètre et le sang. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas forcément un élément suffisant. C'est génial, hein, les bilans Matrice Lab, et ça amène beaucoup, beaucoup d'indications. Mais il faut aussi, prendre en compte vraiment tous les indicateurs de terrain. Donc, une autre question. Le zinc a-t-il une importance sur la qualité des ovocytes? Le quoi? Le zinc. Alors, le zinc... oui, et en fait on a du mal à statuer sur cette question parce que dans la science il y a toujours des fois des choses un peu bizarres. Donc il y a des études qui disent que oui, puis il y a d'autres études qui disent que non, ça n'a aucun intérêt. Je pense que c'est une histoire de dose, clairement. Oui, le zinc, tous les antioxydants ont un intérêt dans la qualité des ovocytes, parce que les ovocytes sont des cellules qui sont
grosses déjà par rapport au reste des cellules du corps. Elles sont très grosses, elles sont beaucoup plus grasses parce qu'elles sont beaucoup plus importantes. Et tout ce qui est gras a tendance à s'oxyder et à vieillir plus vite. Donc évidemment que l'ovocyte, il est très sensible au vieillissement, il est très sensible à l'oxydation. Et tous les antioxydants jouent un rôle dans le maintien d'ovocytes de qualité, en tout cas. Donc le zinc, moi je pense que oui. Il y a des publications qui vont dans l'autre sens, et puis il y en a qui vont dans ce sens-là. Mais très sincèrement, je pense que oui. Puis en même temps, on ne prend pas vraiment de risque à mettre du zinc. Là aussi, il y a beaucoup de carences dans la population, donc il n'y a pas trop de soucis. Ok, une autre question. Le gluten, peut-il avoir des effets néfastes pour la fertilité chez l'homme? Oui. C'est publié en fait. Alors attention, pas chez tous les hommes, hein. C'est pas parce que votre homme a un problème de fertilité qu'il faut lui enlever le gluten, le pauvre. Non, c'est pas chez tous les hommes, clairement. Mais lorsqu'il y a des indicateurs de problématiques immunitaires chez l'homme, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une espèce de similarité de. Alors comment expliquer ça simplement en fait? Il y a une espèce de similarité de forme. A priori entre les spermatozoïdes et puis le gluten, et du coup l'immunité pourrait faire une erreur et s'attaquer aux spermatozoïdes. Donc c'est pas tout à fait prouvé. Il y a quelques publications là-dessus, mais qui ont démontré en tout cas que chez certains hommes qui avaient aussi des marqueurs d'intolérance au gluten, on avait une atteinte des spermatozoïdes qui était corrigée par une alimentation sans gluten. Mais ce n'est pas chez tous les hommes, mais oui, ça peut être le cas. Et dans ce cas-là, il faut voir si l'homme a déjà d'autres problématiques immunitaires, parce qu'en général, quand on a un terrain auto-immun, on n'a pas qu'un seul truc auto-immun. On en a plusieurs qui se développent, en fait. Ok, une autre question. Alors, je vais regrouper deux questions en une. L'intérêt de l'huile de Nigel et de l'huile de lin. En fait, l'huile de Nigel, elle a un effet. On l'utilise effectivement en fertilité. C'est pas hyper supra documenté, mais il y a quand même quelques petites choses sur l'huile de Nigel. Au niveau de son action, moi, je pense que l'action de l'huile de Nigel, elle est surtout sur le plan immunitaire justement. Donc, ça peut être intéressant. C'est pas forcément la complémentation que je mettrais en focus numéro 1, mais pourquoi pas. Et l'huile de lin, c'est une huile qui est extrêmement riche en oméga-3, donc elle est intéressante sur les oméga-3. Par contre, elle est tellement riche en oméga-3 qu'elle s'oxyde très vite. Et du coup, une huile oxydée, elle est dangereuse pour votre santé. C'est pour ça que l'huile de lin, on l'utilise quasiment plus et on la conseille pas d'ailleurs non plus en nutrition. Parce qu'une fois qu'elle est ouverte, il faudrait finir la bouteille en une semaine, la conserver au frigo, dans quelque chose de complètement opaque, pour pas qu'elle s'oxyde. Donc, moi, je dirais vraiment très, très mollo sur l'huile de lin, plutôt des graines de lin, par exemple, moulues ou pré-trempées. Et puis, huile de Nigel, pourquoi pas? À mon avis, ce n'est pas quelque chose qui va renverser la fertilité, mais c'est un des facteurs de terrain qui peut être intéressant, oui. Ok, alors je suis en train de revoir les questions. Il y a beaucoup de questions auxquelles on a déjà répondu. Donc, de toute façon, je vous invite ensuite à revoir le replay de ce webinaire. Je vais voir. On a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, sur la vitamine E en supplément, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que c'est une bonne chose, mais je ne l'amènerai pas seule, en fait. Parce que là aussi, il y a des publications qui portent sur la vitamine E seule. Et c'est OK. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vitamine E, c'est un antioxydant. Et la lutte contre l'oxydation, elle n'est pas en lien avec une seule vitamine. Elle est en lien avec un système qui se passe des électrons de l'un à l'autre pour lutter contre l'oxydation. Et si vous amenez une seule vitamine, en fait, vous allez un peu bloquer ce système antioxydant à une étape. Donc, moi, je ne suis pas forcément pour l'apport isolé d'un antioxydant ou d'une vitamine. Je pense qu'il vaut mieux des synergies, en fait, quelque chose de synergique. Donc, vitamine E, oui, c'est très intéressant. Par contre, pas toute seule, en fait. Pas toute seule et pas à haute dose. D'accord, on a un peu la même question pour la vitamine D et le magnésium, donc ça serait plus ou moins la même chose. C'est plus ou moins la même chose. Alors le magnésium, c'est un peu différent parce que là, vraiment, cette question d'amener une synergie, c'est plutôt pour les antioxydants. Quand on amène des antioxydants, on les amène tous en même temps pour vraiment qu'il y ait, ne pas bloquer les chaînes antioxydantes. Ça, c'est très important. Par contre, pour les minéraux, on pourrait envisager d'amener du magnésium tout seul, ça ne pose pas trop de soucis. La vitamine D aussi. Et la vitamine D, on peut l'amener seule aussi, hein, pas de souci.
On a une autre question. Est-ce que MACA est intéressant concernant la fertilité et l'AMH? La MACA, oui. Oui, il y a des publications, effectivement, sur la MACA et l'AMH. Moi, c'est... J'avoue que c'est une recommandation que j'aime bien, de recommander de la MACA, surtout s'il y a une AMH qui est abaissée. En fait, la MACA, c'est une plante, enfin, une racine plutôt, qui a des propriétés androgéniques qui va monter le taux d'androgène. Alors, évidemment, on ne va pas vraiment la conseiller dans le cadre d'un syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, mais pour une insuffisance ovarienne, ça peut être très intéressant, oui, tout à fait, pour l'AMH en tout cas. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Adva, est-ce que vous voyez d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Non, je pense que c'était un petit peu tout. Après, il y en a eu beaucoup, donc effectivement, ça peut... Alors, il y a beaucoup de questions, en effet, sur les traitements en PMA en eux-mêmes, sans passer par la nutrition. Toutes ces questions-là, on pourra y répondre à part par mail, si vous voulez. Tous les participants au webinaire recevront de toute façon un mail après cet événement, donc sûrement demain ou après-demain, et vous pourrez nous poser vos questions. Après, donc, j'avais une question sur est-ce qu'on pourrait avoir le PowerPoint de cette présentation. De toute façon, donc tout est enregistré, donc ensuite elle sera retransmise sur YouTube. On mettra le lien sur nos réseaux, que ce soit Fertiline ou les cliniques du groupe IVF Life. Je vous invite aussi peut-être à venir aussi sur notre site, parce qu'on a beaucoup aussi mis d'articles intéressants sur diverses thématiques. Donc vous pouvez aussi aller regarder des petits films aussi assez didactiques, parce que notre but aussi c'est de vous permettre aussi de vous faire votre propre idée, donc de vraiment comprendre les choses pour pouvoir améliorer votre terrain et puis votre fertilité. Et la santé des futurs enfants, n'oublie pas. Aussi, surtout, aussi. Très bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Virginie et Adva, merci beaucoup, c'était très très intéressant. Je pense que tout le monde partage mon opinion. Donc, pour toutes celles qui ont encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire, on est là pour ça. Et puis sur nos réseaux et par mail, on est toujours contente de répondre à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Et puis une très belle soirée à vous. Mangez bien, mangez mieux. Ce sera le mot de la fin. Et prenez soin de vous. Voilà, je pense que dans cette période, prenez bien soin de vous et de vos futurs enfants aussi. De vos futurs enfants, voilà. Très bien, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.